Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour notamment aux internautes qui nous ont rejoints, qui sont pour le moment assez nombreux. Bonjour à ceux qui vont nous rejoindre dans la salle 7 de la fac de droit et d'économie de Fouillot en Guadeloupe. Alors, bienvenue à ce nouveau webinaire et bienvenue surtout à notre invité que je présenterai tout à l'heure, Thierry Dominici. Bienvenue à ce nouveau webinaire et à cette conférence débat consacrée à la Corse, plus précisément à l'autonomie. En Corse, je reprends le thème du jour, Corse vers quelle autonomie? Avec un point d'interrogation. Je le précise parce que l'intervenant m'a demandé de le préciser. Point d'interrogation. Alors, ce thème nous intéresse particulièrement au moment où les collectivités dites d'outre-mer discutent et envisagent une fusion des collectivités départementales et régionales pour la Guadeloupe. Une autonomie renforcée par rapport à celle qui est contenue mais qui est limitée dans la décentralisation. La question d'un pouvoir normatif et donc d'une capacité de décider sur place est posée, notamment en Guyane et en Martinique. La question se pose aussi à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, même si ces deux territoires sont des collectivités d'outre-mer, qui, du fait de l'article 74 de la Constitution, bénéficient déjà d'un certain degré d'autonomie comparé aux autres territoires. Alors, Corse, vers quelle autonomie? Nous nous sommes posé la question déjà à l'occasion d'autres webinaires. Je pense notamment à ceux que nous avons organisés sur la Polynésie, sur la Guadeloupe, la Guyane, aujourd'hui la Corse. Alors, pourquoi la Corse? Parce que la question est d'actualité aussi en Corse et mérite par conséquent d'être examinée dans le contexte singulier de ce territoire. Avant de présenter notre intervenant, je vous rappelle que je suis, comme d'habitude, en compagnie de mon collègue Julien Mérillon, membre du CAGI et également président du CORECA, ainsi que d'étudiants et de personnes dans la salle 7 qui nous rejoignent progressivement. Donc, bonjour Thierry Dominici, bonjour chers collègues, merci d'avoir accepté notre invitation. Cher Thierry, lorsque l'on parle de la Corse, je pense inévitablement à mon ami frère, Claude Olivesi, qui nous a quittés depuis, lui aussi enseignant de sciences politiques, maire d'une petite ville de Corse, qui est venu en Guadeloupe présenter l'expérience Corse, qui nous a invités à porter à plusieurs reprises. Donc, c'est l'occasion pour nous d'avoir une pensée pour lui et sa famille, de lui rendre un hommage. Donc, voilà. Thierry Dominici est maître de conférences en sciences politiques à l'Université de Bordeaux. Il est chercheur à l'IRM CMP. Tu nous préciseras ce que ça veut dire. Je n'ai pas cherché à le contenu des sigles. Alors, spécialiste de l'analyse comparée des forces alternatives dans les sociétés pluralistes, en clair, il s'intéresse aux écologies radicales, aux nationalismes infranationaux. Donc, ça nous intéresse, bien sûr. Il s'intéresse aussi au populisme de droite et de gauche, auteur d'articles et concepteur d'ateliers et de colloques internationaux sur ces questions. Alors, sa thèse de doctorat que j'ai eu le plaisir de lire porte sur le nationalisme corse dans le cadre de la République. Donc, mesdames et messieurs, Thierry Dominici, Corse, vers quelle autonomie? Thierry qui va nous présenter un PowerPoint sur ce sujet. Donc, on peut lancer le PowerPoint. Avant de lancer le PowerPoint, cher professeur, cher Fred Reynaud, moi aussi j'avais une petite pensée, tu vois, pour Claude qui est mon mentor, hein, c'est lui qui m'a fait faire de la science politique, c'est lui qui m'a fait étudier les partis politiques. Et d'ailleurs, le premier bouquin qu'il m'a fait lire, ben, c'est celui-ci, que tu verras peut-être mal, mais c'est le tien en fait. Et j'en garde un souvenir extraordinaire parce que ça avait totalement changé ma perspective d'analyse de la Corse. Et à partir de cette lecture, j'ai arrêté, j'espère du moins, d'avoir un regard ethnocentré sur la Corse et j'ai essayé d'élargir le spectre pour comprendre cette réalité. Alors oui, j'ai un PowerPoint, donc je vais le partager, j'espère que ça va marcher. Tout à l'heure, ça marchait. Voici, donc j'espère que ça marche de votre côté. Très bien, ça va. Alors, bon, je vais attaquer directement. C'est vrai que j'ai demandé ce point d'interrogation parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, en Corse, lorsqu'on parle d'autonomie, on ne sait pas
si c'est quelque chose de politique, c'est-à-dire que ça concerne finalement une famille politique, les nationalistes par exemple, et là je reste encore dans des logiques de notre ami, pardon, notre ami Claude Olivès, donc, ou alors finalement c'est quelque chose qui n'a un rapport que institutionnel, c'est-à-dire qu'en gros, l'autonomie peut s'acquérir sans la reconnaissance du peuple corse, voyez, par exemple. C'est-à-dire, ce n'est pas le point nodal, techniquement, d'une autonomie institutionnelle. Donc, d'où le point d'interrogation, parce qu'il y aurait, selon moi, plusieurs scénarios qu'on va aborder ensemble. Alors, pour cette conférence, j'ai abordé trois points. Le premier, donc, bien sûr, une sociologie politique du nationalisme corse. On va voir ensemble, est-ce qu'on peut parler de massification populaire de ce phénomène. Deuxièmement, ce qui nous intéresse plus, l'analyse de ce degré, alors c'est comme ça que je l'appelle, de degré de faisabilité de l'autonomie interne. Donc en gros, est-ce qu'on a tous les éléments pour demander d'un point de vue institutionnel un changement de situation de statut, de reconnaissance? Et enfin, le principe de l'autonomie institutionnelle, ou ce que j'appelle notamment dans mes cours le plus souvent, le principe de l'élastique. Alors, tout d'abord, pour pas rentrer dans des grands détails sur le nationalisme, c'est bien, c'est pas bien, etc., j'ai choisi deux définitions pour qu'on soit tous d'accord sur ce qu'est le nationalisme. Déjà, premièrement, Miroslav Hor, qui est l'un des plus grands spécialistes, expliquait que le nationalisme ne relève ni du bien ni du mal. Il demande seulement à être compris. Donc j'espère qu'ensemble, on va essayer de comprendre ce qu'est le nationalisme. Je me range aussi derrière cette définition de Guy Hermé, qui, somme toute, est un éminent chercheur sur l'étude du nationalisme, qui rappelait que le nationalisme est une revendication d'une population ou de populations qui pensent se rassembler, enfin, pardon, se ressembler, et qui aspirent également à se retrouver rassemblées sous l'autorité d'un gouvernement ou de gouvernants dont elle estime qu'ils leur ressemblent. Donc, on est bien dans une logique d'appartenance à un groupe, pas forcément ethnique ou quelque chose de ce genre. Alors, c'est vrai qu'on pourrait parler du nationalisme corse pendant des heures, mais comment l'aborder? Alors, pour vous aujourd'hui, je vais l'aborder d'une manière simple, c'est que je vais faire appel aux six éléments du mythomoteur relevés par Anthony Davis Smith concernant les nationalismes et l'ethnie, qui sont simples, qu'on retrouve facilement lorsqu'on va étudier un nationalisme. Le premier, il est simple, c'est est-ce qu'il y a un territoire? Si après tout, s'il n'y a pas de territoire, on ne parle plus du tout de nation, etc. Est-ce que ce territoire porte un nom? Exemple, la Corse. Est-ce qu'il y a une population, une culture, une histoire? Et enfin, est-ce que cette histoire, cette culture produit des profils symboliques de héros nationaux, etc. Tout à l'heure, vous avez pu vous apercevoir que avec la photo que j'ai proposée, c'est un selfie avec poussin d'ouverture. Voyez. Donc, héros national d'Haïti. Donc, pour la Corse, déjà sur le plan historique, il nous faudrait des heures pour parler de l'histoire de la Corse, mais finalement, la Corse n'a pas d'histoire personnelle, elle la partage avec les grandes civilisations. Comme le dit Fernand Braudel, elle a été traversée par l'ensemble des grandes civilisations du Mare Nostrum, et c'est vrai que son histoire est toujours partagée avec des grands peuples, et je ne suis pas historien pour rentrer dans une logique, si vous voulez, d'analyse de l'histoire intrinsèque à l'île de Corse. Par contre, élément du territoire, la Corse est une île, comme la Guadeloupe, phénomène qu'on ne peut pas effacer. Elle représente 8 700 km² et, bon là je me suis un peu trompé, et 380 000 habitants aujourd'hui. On parle d'elle comme étant une montagne dans la mer, ce que disait Ratzel. Si on regarde d'un point de vue géographique, elle est ancrée dans le monde italien ou italique, et donc elle est très proche de la Sardaigne et plus éloignée de la France hexagonale. Donc la Corse est une île qui existe dans le Mare Nostrum depuis donc la nuit des temps. Bon nombre de mythes lui sont accordés dans le monde grec, notamment avec le nom hein, qu'ils vont lui donner, donc Kyrnos, etc. Je pourrais là aussi, mais on n'est pas géographe, donc je pense que le fait de dire que c'est une île, ça suffit entre nous pour pouvoir avancer et passer cet élément. L'élément culturel. Alors là, c'est assez extraordinaire parce que la Corse a une culture spécifique, notamment un héritage agro-pastoral. Donc, c'est une société traditionnelle à la base qui a subi les modifications, comme d'autres sociétés traditionnelles du monde moderne, et notamment l'homogénéisation du terre national de l'État sur son territoire. Mais au niveau véritablement culturel, la Corse bénéficie d'une langue qu'on va appeler vernaculaire.
Cette langue, en gros, se justifie sur l'ensemble du territoire à travers 10 idiomes. Mais je ne suis pas un linguiste, donc je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais une chose est certaine, c'est que la langue corse n'est pas le français. Donc il y a une langue donc corse qui existe, et ça fait partie, donc, si vous voulez, de l'élément du mythomoteur. Au niveau des traditions, il est vrai, comme l'histoire est un petit peu floue, comme cette Corse a subi bon nombre d'envahisseurs, etc., donc elle produit une histoire, mais aussi un folklore. Enfin, c'est plutôt nous, les Français, qui produisons dans notre imaginaire collectif un folklore corse. Exemple, le bandit d'honneur, porté par Mérimée, l'histoire de Colomba, etc. Donc toute cette imagerie, je dirais, qui va biaiser le rapport centre-périphérie et donner par exemple une image des Corses comme étant des fainéants, des personnes qui rejettent le travail ou qui ne sont que violences, etc. Et tout ça n'est que le fruit de la littérature romantique du 19e. Après, bien sûr, au niveau, la Corse bénéficie aussi de reconnaissance sur le plan du patrimoine musical, etc. Et puis après, il y a tout le folklore. Ça va jusqu'au saucisson à base d'âne. Rassurez-vous, nous en Corse, on n'en mange pas nos ânes. Hein. Donc, c'est dans Astérix, en fait. Hein. Ou le fromage avec des vers. Enfin, tout ça fait partie du folklore corse. Donc, il y a une tradition, une culture spécifique, intrinsèque à ces insulaires. La question du peuple est beaucoup plus compliquée. Comme je vous l'ai dit précédemment, la Corse a connu, selon Braudel, quasiment toute la Méditerranée. En gros, Braudel, dans Le Monde de Philippe II, expliquait que si on regarde d'un point de vue ADN les Corses, on aurait tout le Mare Nostrum dans le sang des Corses, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, ils sont proches de Carthage, des Phocéens, de tous les Grecs, des Romains, etc., des Étrusques, etc. Et des peuples aussi venant de la mer, les fameux Sardanes. Parce que s'il y avait un peuplement corse, selon les historiens comme Grosjean, c'était les Corsi avec un K, et ils ont été effacés de l'histoire par les Sardanes, les fameux pirates de la mer que même Ramsès III a eu du mal à repousser. Mais au niveau peuplement, si vous voulez, c'est très compliqué de parler de peuple corse. Alors bien sûr, les nationalistes ne vont pas être d'accord avec moi, mais d'un point de vue ethnique, si vous voulez, c'est très compliqué. Par contre, d'un point de vue juridique, il est très facile de parler de la nation corse. Celle-ci s'est inscrite dans l'histoire la première fois en 1735, dans le cadre de la colonisation génoise. Et en 1735, donc, les Corses produisent non pas une constitution qui va donner une indépendance, mais qui met en place, et aujourd'hui ça nous intéresse, un État autonomique. C'est-à-dire qu'en 1735, la constitution de la Corse permet, dans le cadre du système génois, de rendre autonomique l'île. En 1755, par contre, la Corse va mettre en place une constitution, je reviendrai dans quelques secondes dessus, qui est d'ordre véritablement politique, qui va être aménagée en 1764 par des lois constitutionnelles, par exemple le droit de vote des femmes. Et bien sûr, le dernier, je dirais, bastion de l'autodétermination des Corses, ben c'est quelque chose d'ailleurs qui n'est pas très retenu par les nationalistes dans leur discours politique, c'est le royaume anglo-corse. Et oui, la Corse a été associée à l'Angleterre. Non pas vendus, comme certains le diraient, mais associés d'un point de vue institutionnel, parce qu'ils ont mis en place un régime parlementaire qui était le royaume anglo-corse, avec Sir Elliot, roi de Corse, et donc tout un système véritablement d'état-dominion au Royaume-Uni. Bref, on parlait à l'époque d'état binational. Mais j'arrête là-dessus, parce que ce royaume anglo-corse prend fin en 1787. Donc la Corse-nation. Mais la Corse-nation est véritablement définie les 16, 17 et 18 novembre 1755, lorsque l'Assemblée nationale, si vous voulez, se réunit, donc des Corses, et produit donc une constitution, et dans le préambule met en avant l'idée que, je lis, ayant reconquis sa liberté, voulant donner à son gouvernement une forme durable et permanente, en la transformant en une constitution propre à assurer la félicité de la nation. C'est la première fois qu'on parle de nation, qu'on passe de peuple à nation dans l'histoire institutionnelle du monde moderne. Pour la plupart des Lumières, comme vous le savez, cette constitution de la Corse est considérée comme étant des balbutiements de la Révolution. Lors du concours de l'agrégation en histoire en France, je crois que c'était pour le concours de 2004, le thème c'était Révolte et Révolution 18e, et deux mondes finalement s'entrechoquaient. En-delà de la constitution de la France ou des États-Unis, c'était la Corse et Haïti, donc tout ça l'ouverture. Donc on a ici donc quelque part
le personnage central de la nation corse. Alors, il y a d'autres profils symboliques en rapport au héros corse. Il y a le père, bien sûr, de Pascal Paoli, qui est ici, Hyacinthe, le fameux Théodore de Neuhoff, que vous connaissez mieux à travers le prisme de Voltaire dans Candide. C'est le fameux roi de Corse qui est en haillons à Venise et qui demande de l'aumône à l'Europe pour sauver son peuple. Il a existé dans l'histoire. Il y a Sambuquiu au XIIIe siècle et XIVe siècle. Sampiero aussi, qui va être reconnu par la littérature anglaise, parce que Shakespeare va utiliser son profil pour créer le personnage d'Othello. Et puis, on a deux grands personnages. Bien sûr, Napoléon, qui est reconnu comme étant presque l'âme de l'identité corse. Et un qui est moins apprécié par les Corses, mais qui finalement est utilisé, c'est Christophe Colomb. Parce que je vous rappelle comme ça en passant que Christophe Colomb est né à Calvi. Ce qui explique que donc, vous voyez, les Corses se retrouvent avec des personnages historiques assez extraordinaires. À l'inverse, pour le folklorique, je voulais aussi vous parler de Tino Rossi, qui finalement est le Corse le plus connu en termes de chansons, de production musicale, parce qu'il est l'auteur du Petit Papa Noël. Donc, Pascal Paoli, mais non. Mais Pascal Paoli, si vous voulez, dans l'imaginaire collectif, il était le père de la patrie. Mais dans la réalité institutionnelle du 18e, il est universel. C'est-à-dire, c'est celui qui va amener la séparation des pouvoirs, l'application de Montesquieu à la lettre, et surtout, il va donner le droit de vote aux femmes. Alors, pas toutes les femmes veuves. Mais c'est déjà une avancée en 1764 dans l'imaginaire du monde républicain. Il est tellement universel que dans le dernier bouquin de David Bell, que vous connaissez sûrement, Le culte des chefs, qui est paru il y a 2 ans, qui a été traduit en français l'année dernière, où on essaie de comprendre comment se construit ce charisme au-delà du charisme hollywoodien. Donc, ce n'est pas JFK à la plage, parce qu'il est plutôt bedonnant, hein, Paoli. Mais pour David Bell, l'incarnation de Washington, de Jefferson, de Napoléon, de Bolivar et même de Toussaint Louverture, ces personnages historiques, ces pères fondateurs de nations nouvelles, ben, s'inspirent de Pascal Paoli. C'est le chapitre 1 de ce bouquin, ce qui est assez étonnant comme reconnaissance. Alors, maintenant, au niveau de la sociologie historique du nationalisme, si on prend l'histoire du nationalisme, comme je l'ai fait pour Claude Olivès dans mes travaux, au final, on retrouve 4 familles de revendications. Les corsistes, les régionalistes, les autonomistes et les nationalistes et indépendantistes. On est dans une périodisation, chaque fois, de revendications. Ce qui est intéressant de voir, c'est que l'ensemble de ces familles politiques vont utiliser, instrumentaliser, voire même détourner les éléments du mythomoteur. Parfois en n'en utilisant qu'un seul, comme la langue, et en tirant vers eux les autres, ou en essayant, comme les indépendantistes, de proposer une sorte de monde post-paoliste. Aujourd'hui, donc, le nationalisme corse, alors je ne vais pas vous faire l'historique des 50 années de lutte du mouvement donc de la période nationaliste et indépendantiste, mais on pourrait donc résumer ce nationalisme corse selon 2 tendances. La première, c'est ce que j'ai appelé dans mes travaux le nationalisme de résistance. Donc, ce n'est pas forcément que la violence politique, c'est une résistance au système. C'est par exemple comme chez vous en Guadeloupe, lorsqu'il y a ce phénomène basé et porté par les mouvements sociaux. Donc, il y a une résistance au système et qui n'est pas une opposition, par exemple, comme dans le nationalisme d'opposition, basé uniquement sur l'élection, et comme disait Claude Olivès, et la volonté de faire changer le système par l'élection. Donc, on a un nationalisme qui résiste au système et un nationaliste qui s'oppose au système. Le premier était le plus prégnant en Corse dès les années 76, c'est-à-dire lors de la naissance du FLNC. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails, mais FLNC, ça fait bien sûr référence au FLN algérien, vous en doutez bien. On est dans une période de lutte de libération nationale, et toute une jeunesse va donner naissance à un groupe armé, le Front de Libération Nationale de la Corse. Vous pouvez le voir, hein, je vous propose une généalogie qui date un petit peu, mais qui était la première effectuée dans mes travaux de thèse, et il y a toute une arborescence en Corse de mouvements armés. Mais le mouvement qui rassemble, c'est le Front de Libération Nationale de la Corse. Il a ce schéma qui est un petit peu, je dirais, volontairement brouillon, montre aussi que cette lutte armée s'est imposée sur le système politique de revendication. C'est-à-dire que pendant des années,
À l'inverse, pour d'autres cas, comme la Catalogne, par exemple, où il n'y a pas de lutte armée, la lutte armée était majoritairement pesante sur le système, au point que le nationalisme d'opposition, l'élection, ne pouvait pas se réaliser. Voici le nouveau schéma qui est proposé par un jeune étudiant en master de l'université d'Aix, qui me l'a envoyé hier, hein, donc qui travaille sur la schématisation, parce qu'aujourd'hui, il y a une sorte de reformation du FLNC. Et j'apprécie énormément son travail, parce qu'il a fait un vrai travail d'archiviste, et il a peaufiné, retravaillé le schéma de base. Alors, au niveau du nationalisme d'opposition, toujours en prenant les schémas de ce jeune étudiant, mais on s'aperçoit, si on prend la couleur bleue comme indicateur, qu'il y a bien encore plusieurs familles politiques. Il y a cinq, six courants de familles politiques. Je dis cinq, six parce que vous pouvez vous apercevoir que les Verts, ELV, donc ici, là, se retrouvent un petit peu présents dans l'équation. Et ça, je n'aurais pas aujourd'hui, je ne pourrais pas vous expliquer aujourd'hui le lien réel entre les deux mouvances. Mais il est vrai que, comme on le sait, le nationalisme est aussi imprégné d'écologisme. Alors, ce nationalisme actuel, qu'est-ce qu'il pèse? Ben, si on prend simplement comme ça, si on était journaliste, les points d'orgue qui montreraient la réalité d'une idéologie dans un système politique, ben, on s'apercevrait que depuis 2015, le nationalisme corse est majoritaire. C'est-à-dire que depuis 2015, la région de Corse est entre les mains des nationalistes. Et c'est encore plus vrai depuis 2021 parce qu'il n'y a quasiment plus d'opposition liée au parti traditionnel. Alors on pourrait se dire, ouais, mais c'est que la région. Sauf que depuis 2016, sur quatre députés possibles, il y a trois députés nationalistes. Ce qui fait que déjà, il y a une forte majorité des nationalistes à l'Assemblée nationale française. Ils disposent également d'un député européen dans le cadre ELV, mais aussi Région et Peuple solidaire. Et enfin, bon, il y a une faute par communale, mais enfin, ils ont trois des cinq plus grandes villes de l'île. Donc, c'est-à-dire qu'il y a trois maires nationalistes dans les cinq plus grandes villes de l'île. Par exemple, Bastia est sous obédience nationaliste. Et plusieurs communes, notamment du monde rural, sont sous l'obédience nationaliste. Donc, il y a bien le nationalisme est quasiment ancré dans tout le champ politique. Au point que ce nationalisme victorieux à la régionale de 2015 est le résultat de la fin de la violence politique, le FLNC dépose les armes en 2014, et la possibilité d'une alliance entre nationalistes d'opposition, donc autonomistes, et indépendantistes. C'est ce qu'on peut voir sur la photo, avec notamment ici M. Jean-Guy Talamoni, donc, qui deviendra le premier président de l'Assemblée territoriale de Corse d'obédience indépendantiste. Alors, si je vous présente ces différents acteurs, le premier donc, le plus important, le plus connu, c'est donc Gilles Simeoni. Donc, c'est le fils d'Edmond Simeoni que l'histoire retient au niveau du nationalisme parce qu'il a été le fer de lance du mouvement autonomiste dans les années 70 et il a été le porteur, si je puis dire, du courant à l'époque de l'affaire d'Aléria. Donc, il devient président, donc Gilles Simeoni, en 2015, et il a de fait créé un parti politique, certains de mes collègues vous diraient un peu hégémonique, très comparable au système de En Marche de Monsieur le Président Macron. Et donc ce président de l'exécutif dirige un parti de plus de 3 800 adhérents qui s'appelle FEM, ce qui veut dire faire, ou faisons plutôt. Le deuxième personnage important, j'en ai parlé il y a 2 minutes, c'est Jean-Guy Talamoine. Donc aujourd'hui, il n'est plus à l'Assemblée, il n'a pas été élu en 2021. Mais donc, durant 2 mandats, il a été président de l'Assemblée territoriale de Corse et il représentait la famille indépendantiste. Il a dirigé pendant longtemps le parti Corsica Libre, Corse Libre, qui est devenu en 2023-2024 le parti Nazione, qui veut dire nation. C'est tout l'héritage, si vous voulez, du nationalisme porté au départ par le FLNC. En 76. Donc on est bien là dans la branche indépendantiste. Le troisième acteur, c'est Paul-Félix Benedette. Il est moins connu par des médias, moins connu aussi du monde universitaire. Par contre, il est ingénieur. Cet ingénieur incarne le nationalisme populaire.
La jeunesse, notamment Bastiaise, est très proche de ce mouvement, Corps in front, le cœur au front, c'est une référence à Pascal Paoli. Et donc, Paul Félix Bénédet a d'abord, pendant un temps, parce qu'il n'a pas été élu en 2015, porté le nationalisme dans l'espace public. Donc, il était très pesant et très présent dans l'espace public. Aujourd'hui, son mouvement est élu. Et il y a une sorte de changement, je dirais, de propriété de l'espace public, puisque finalement, les élus gagnés par Corinne Front ont effacé les élus de Corsica Libre, et Corsica Libre a pris la place de Corinne Front dans l'espace public. D'où peut-être la création du mouvement national. Mais Paul Félix, donc, incarne ce nationalisme populaire. Il a le soutien de la jeunesse. L'autre acteur principal, c'est Jean-Christophe Angeli. Lui, sa force, c'est qu'il est leader, président du PNC, Parti Nationaliste Corse, c'est-à-dire la filiation directe de l'UPC, c'est-à-dire du Parti Autonomiste des années 70 jusqu'aux années 90. Monsieur Jean-Christophe Angeli a refusé l'adhésion de sa force politique à la mouvance FEM, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez deux autonomismes possibles, le siménisme et l'autonomisme nationaliste porté par le PNC. Il est maire actuellement de la ville de Porto-Vecchio. Et l'autre et dernier acteur dont je voulais vous parler, c'est celui dont on ne parle jamais, c'est-à-dire la jeunesse. La jeunesse qui est pourtant présente en termes de revendications, de mobilisation. On a pu le voir suite à l'assassinat d'Ivan Colonna, que c'est la jeunesse qui a pris la rue, sans être. Leurs actions n'ont pas été imposées par les forces politiques. Et cette jeunesse, finalement, un peu comme en Guadeloupe, se sent totalement déclassée. C'est-à-dire que ce n'est pas tant un sentiment d'indépendantiste qu'ils mettent en avant, mais ils mettent en avant un sentiment de déclassement. Ils ont l'impression, du moins les chiffres le prouvent, que économiquement, les jeunes en Corse sont beaucoup plus défavorisés que les jeunes sur le plan hexagonal. Ils rappellent que la région de Corse, sur le plan hexagonal, est la plus pauvre en termes économiques, mais aussi la plus dense en termes de chômage des jeunes. Par exemple, je ne donnerai que cet exemple, au niveau des jeunes fortement diplômés, plus de 28% de cette population est au chômage. Donc la jeunesse est véritablement un acteur clé dont on doit véritablement, enfin qu'on doit écouter, chose qu'on ne fait pas forcément, et qui apparaît comme, je dirais actuellement, dans le jeu politique et notamment dans le champ public. Alors cette massification, est-ce qu'elle existe vraiment depuis 2014? Puisque après tout, là je vous ai parlé vraiment d'une force politique. Eh bien, pour aborder cette question, je ferai un petit clin d'œil aux travaux de Miroslav Hor, qui est le premier à avoir donc parlé de massification populaire. Alors, Miroslav Hor, finalement, nous dit quoi? Mais il nous dit que les mouvements nationalistes, lorsqu'ils apparaissent, donc finalement, ce sont des luttes réfléchies, et qui apparaissent lorsqu'il y a un manque. Donc, il faut combler ce manque. Et ce manque, c'est quelque chose qu'on peut appeler comme un aléa historique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un événement va conduire ces mouvements nationalistes à apparaître. Alors, bon, vous connaissez sûrement sa théorie pour les grandes et petites nations. Je ne vais pas vous expliquer maintenant parce que je n'ai pas le temps, mais en fait, sa réflexion pour la Corse, se trouverait ici, c'est-à-dire lorsque l'aléa historique pousse les classes possédantes allogènes à se structurer. Et comme il y a un phénomène incomplet, automatiquement, il y aura revendication. Alors, ce qui nous intéresse plus, c'est cette idée de degré de massification. Alors, le degré de massification est simple pour Rohr, donc je l'applique à la Corse. D'abord, tout passe par une phase académique, l'intérêt académique, c'est-à-dire que le mouvement est porté par un mouvement culturel. Ici, par exemple, la langue, la polyphonie, donc un retour à la culture. Un peu comme si l'identité était, comme tu l'as montré, Fred, dans ton bouquin, un peu comme si l'identité était en danger. Et donc, à ce moment-là, c'est une défense de l'identité. Alors, ce qui est marrant, c'est que la plupart des personnes qui vont le défendre ne sont pas forcément les plus, je dirais, idoines pour parler de la culture. Ils ne sont pas tous forcément locuteurs, etc. Mais il y a ce mouvement porté par les écrivains, les poètes, etc. Si ce mouvement arrive à se politiser, Rohr vous parle d'une agitation nationale. Ici, il y a la création de partis politiques. Comme on l'a vu, il y a eu en Corse différentes périodes de création de partis politiques. Donc ici, des partis politiques vont produire du nationalisme politique. Et donc, s'il y a prise sur la société,
automatiquement, cette agitation nationale va produire un nationalisme de masse. Il parle de massification sociale et populaire, ce qui fait que le nationalisme va toucher l'ensemble de la société. Alors ça, bien sûr, on l'oublie souvent, il le met dans deux périodes. Il recense deux périodes, deux stades, la révolution bourgeoise, donc le 18e, et la révolution industrielle. Aujourd'hui, il s'ajouterait peut-être, s'il est encore vivant, post-industriel. Ce qui donne en fait une typologie. Et la question que je me pose avec vous, c'est qu'aujourd'hui, bien évidemment, cette forme de nationalisme correspondrait à un des types proposés par Rohr. Alors, Rohr propose pour le type 3 de non abouti en tant que petite nation, mais de massification, ce qu'il voyait. Et ce qu'il voyait, c'était la Flandre et la Catalogne. Alors, il ne connaissait pas le cas écossais, il ne connaissait pas le cas corse. Mais je suis tenté aujourd'hui d'y ajouter, par exemple, le cas québécois, pour éloigner, quoique je n'éloigne pas trop pour vous, la question, mais aussi, ben, pour rester dans le sujet, la Corse. Parce qu'on est dans les mêmes logiques. Donc, dans ce stade industriel, apparaît donc cette massification. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en 2021, le nationalisme corse fait aux élections régionales 21%, enfin 70%. Donc on est loin des 21% qui était le maximum dans les années 90. Il ne reste que 17 élus non nationalistes. Et ce qui est assez drôle, si je puis dire, c'est que ces 17 élus non nationalistes sont bonapartistes ou régionalistes. Donc au final, on a le nationalisme et le régionalisme entremêlés dans le nouvel hémicycle. Mais bon, si on oublie cette idée de régionalisme, on a 70% des électeurs qui ont voté nationaliste. Ce qui fait que la majorité nationaliste à l'exécutif est autonomiste, Gilles Séméoni, et dans l'opposition, nous avons les trois acteurs dont je vous ai parlé, indépendantistes et nationalistes. Donc, je pense, pour cette conférence, qu'on peut dire facilement qu'il y a un aboutissement de la phase B. Donc, qu'on est dans une massification du phénomène. D'autant plus que le nationalisme corse est partout. Si on fait un petit peu de terrain comme ça, si vous envoyez de la Guadeloupe à un étudiant, il va s'apercevoir que ça touche au-delà du politique, ça touche véritablement à la société civile, au point qu'on pourrait dire, au sens du Michael Billing, qu'on a affaire à un nationalisme banal. Le nationalisme culturel, par le biais des éléments du mythomoteur que je vous ai dépeint, occupe quasiment tout l'espace public, mais aussi culturel, événementiel. Il n'y a pas un spectacle qui n'est pas sous l'obédience, je dirais, nationaliste, culturelle. Il n'y a pas un événement sportif ou associatif. Le pauvre Pascal Paoli est tellement instrumentalisé que son effigie, son image est même sur les fromages ou la nouvelle bière. Donc, c'est-à-dire qu'on arrive à une logique, si vous voulez, de banalisation du nationalisme. Tous les liens proto-nationalistes dont je vous ai parlé, au sens d'Eric Hobsbawm, occupent quasiment tout l'espace public. Un jeune supporter de Bastia va mélanger le foot, Pascal Paoli et les questions liées pardon, au rapport centre-périphérie. Donc tout se mélange parce que le nationalisme devient véritablement culturel. Au point que même sur le plan informationnel, communicationnel, la Corse, par exemple, a une télévision 100% corse. À l'inverse des autres chaînes d'FR3 ou quasiment ou les radios, etc. On est dans une sorte de système monde. En gros, sur le plan informationnel, communicationnel, la Corse devient un centre et n'est plus une périphérie. Et face d'ailleurs aux mouvements sociaux, ben, le nationalisme populaire résiste et produit, grâce à la jeunesse, donc une forme de, mais qui est assez unique, de canal de mobilisation citoyenne. Donc on est bien dans une logique, à mon avis, de massification populaire du nationalisme, et du moins c'est ce que j'essaie de démontrer dans mes travaux. Mais non, ce qui est aussi intéressant, c'est l'idée de production comment je pourrais dire, de coopération internationale. Depuis que les nationalistes sont au pouvoir, ben, ils produisent de la paradiplomatie. C'est assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'on est face à des stratégies de coopération internationale. Alors bien évidemment, mes collègues souriraient en disant, mais paradiplomatie, ça n'existe pas. Mais ici, au sens, par exemple, des travaux de mon collègue Stéphane Paquin de l'ENAP à Montréal, on s'aperçoit que
comme les Catalans, comme les Québécois, comme les Flandres ou la Bavière, l'exécutif de la région produit véritablement la coopération internationale. Gilles Simeoni est membre des comités des îles méditerranéennes, est en lien direct avec la Sardaigne, etc. Mais en plus, la Corse produit des échanges jusqu'aux États-Unis par rapport à Pascal Paoli, etc. Étienne Schmitt, mon ami et collègue de l'Université de Concordia, a d'ailleurs fait un papier là-dessus, montrant véritablement l'existence d'une paradiplomatie corse. Ce qui fait que donc, bien sûr, elle n'a pas la compétence hein, de faire de l'international, mais au final, un peu comme certaines, je dirais, îles françaises, elle se retrouve dans des situations de paradiplomatie. C'est le cas, par exemple, de la Nouvelle-Calédonie. Alors, on peut donc parler techniquement d'une phase C de massification populaire du nationalisme. Ce qui m'amène donc maintenant rapidement à analyser dans un deuxième point ce degré de faisabilité. Donc, est-ce qu'on peut parler finalement d'autonomie, d'autodétermination, puisqu'on a tous les ingrédients politiques? En fait, on a quatre scénarios possibles. Le premier, c'est le statut d'autonomie qui est proposé par la majorité à l'exécutif, en lien avec le gouvernement, ce qui est une première dans le cadre, je dirais, du rapport centre-périphérie, d'où la photo de M. Gilles Simeoni et de M. le ministre. Deuxièmement, le processus d'autodétermination qui est porté, lui, par les forces d'opposition, donc les forces indépendantistes, qui est assez différent. Et puis, il y a, je dirais, un degré qu'on oublie, enfin, un scénario qu'on oublie. Mais c'est, et pourtant la Nouvelle-Calédonie nous l'a montré, c'est le statu quo. C'est-à-dire, en fait, on ne change rien. Et il y aurait un quatrième, on verra ça dans sa vie. Alors, d'abord, le scénario premier. Eh bien, les autonomistes, par le biais de Gilles Simeoni, sont véritablement dans la logique de l'évolution des statuts qui irait vers plus d'habilitation. En gros, on se rapprocherait de la Guadeloupe, donc en termes de compétences. Quoiqu'il faudrait s'entendre sur ce qu'est l'habilitation. Par contre, il y a trois fondamentaux, comme ils disent, c'est la reconnaissance du peuple corse, la co-officialisation de la langue corse, un peu comme au Canada, donc avec l'anglais et le Québec, et le québécois. Donc là, il faudrait que le corse soit la deuxième langue ou la première langue après le français dans l'espace public et administratif corse. Et enfin, le statut, encore plus compliqué, le statut de prisonnier politique. Je rappelle que le droit commun français ne reconnaît pas le statut de prisonnier politique. Le deuxième scénario, lui, c'est les projets d'autodétermination. On en a un premier, c'est celui de Corinne Front. C'est peut-être le plus abouti en ce moment. Pourquoi? Parce que Corinne Front, très inspirée par ma collègue et amie Léa Havard, sont allés vers l'idée de statut des Kanaks. Donc, ils sont dans une logique de processus qui serait très comparable sur 10 ou 20 ans au processus qu'a connu la Nouvelle-Calédonie depuis 1988. Donc, dans une logique aussi d'État associé. L'idée d'État associé les inspire un peu. Après, ce serait sous quelle forme, etc. Ça, ils ne l'expliquent pas. Mais ils sont très intéressés par cette idée d'État régional asymétrique. Le PNC, lui, c'est un processus d'autodétermination plutôt classique, en fait, basé sur la voie référendaire. Ils utilisent comme référentiel l'Écosse et la Catalogne, et accessoirement le référendum de 95 du Québec, mais plus le cas catalan. Donc le PNC est dans une logique d'application institutionnelle. Corsica Libre ou Nazione, eux, depuis longtemps, ils ont proposé, par rapport à la loi, à l'article 74, donc des statuts spécifiques, une demande d'indépendance. Mais leur logique est basée sur une indépendance de type classique. C'est d'ailleurs pour ça que Jean-Guy Talamoni parlait de pays amis et non pas de pays, excusez-moi, et non pas de pays ennemis. Vous voyez, en parlant de pays amis, ça montrait bien que ce n'était pas du séparatisme, mais simplement de l'indépendance, d'une demande d'indépendance, tout en étant dans des logiques de reconnaissance et d'échanges, etc., avec les deux entités étatiques futures. Donc, on n'est pas ici dans un processus de type Kanak, ce n'est pas forcément le processus qui va suivre. Et puis, un quatrième point, c'est la place de la violence. Comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, la violence n'est pas de retour, elle n'est jamais vraiment partie, mais la violence politique a tendance à revenir, par contre, notamment portée par la jeunesse, avec le nouveau groupe la jeunesse indépendantiste
Le signe ne me vient plus, pardon. Aussi le fait que le FLNC discute toujours dans l'espace public en étant plus présent dans l'espace de la violence, parce qu'il s'est retiré, mais comme je vous l'ai dit, il s'est tout simplement démilitarisé et pas dématérialisé. Donc le FLNC en tant qu'un des personnes ou groupes existe. Donc la place de la violence est pesante, d'autant plus qu'il y a une demande, entre guillemets, de cette jeunesse qui se sent, rappelez-vous, déclassée, méprisée par le système. Et donc de fait, attiré par un retour de la lutte armée. Alors, le troisième, c'est le statu quo, il est simple. D'abord, ben, ça veut dire qu'il n'y aurait pas de transfert de compétences. Donc là, déjà, rien ne bouge. Aucune reconnaissance ethno-culturelle, donc rien ne bouge non plus sur le plan de la reconnaissance du peuple corse ou de la langue corse. Et enfin, la région reste tout simplement une collectivité unique. Chose que certaines, comme par exemple chez vous, n'avaient pas été acceptées. Donc en gros, on reste dans le cadre actuel. Alors, il y aurait un quatrième scénario. Le quatrième scénario, c'est celui dont on ne parle jamais, c'est le scénario tout simplement institutionnel. C'est-à-dire l'idée que j'appelle d'effet domino. C'est-à-dire revenir sur cette idée de problématique qui est liée au degré d'autonomie. Le tableau que vous voyez sur votre droite, c'est un tableau tiré d'un livre ancien maintenant de M. Favoré Bidegirai, qui date un peu, mais qui était sur l'État autonomique. C'était énorme, c'était très à la mode d'étudier cela. Et ils étudiaient ces degrés de compétences en 8 degrés. Et le degré maximal, c'est l'autonomie véritable, c'est-à-dire ici presque comparable à l'indépendance, parce que c'est au-dessus du fédéralisme. Donc on est dans des logiques, si vous voulez, de degrés. Quelque chose se passe en fait. Alors, n'oublions pas que nous, en France, c'est un État unitaire, donc ce n'est pas un État fédéral. Donc, on ne peut pas comparer ces deux phénomènes. C'est pour ça qu'avec vous, on va voir très vite ensemble ce que j'appelle la théorie de l'élastique. Donc, en fait, tout repose sur le principe d'autonomie. Qui dit autonomie oublie que ça veut dire gestion de la diversité. C'est-à-dire que dans le cadre de l'autonomie, pour un État unitaire, ou pour un État fédéral, la question de base, c'est comment je gère la diversité. Premièrement, pour l'État unitaire, comme vous le savez, on part du point de départ que le principe d'unité, donc on est tous pareils, et vous le savez mieux que quiconque depuis 2003, mais on peut se dire que, ouais, mais non. Parce qu'on a reconnu quelque part, comme le dirait le professeur Melin Sukramanian, les peuples ultramarins. Alors, pas reconnus politiquement, ni citoyennement, il n'y a rien qui les sépare des autres, mais il y a une reconnaissance de cette existence à part. Mais c'est basé sur le principe second, c'est-à-dire la pluralité par la décentralisation. C'est ça le phénomène. Et là, je ne vous parle que de droit. Nous ne politisons pas ensemble le truc. D'un point de vue juridique, le principe second de la pluralité par la décentralisation est un principe fondamental de l'État unitaire. À l'inverse, l'État fédéral, lui, prend comme point de départ la pluralité, comme vous savez, par exemple, les États-Unis. Et au final, ce principe second, c'est l'unité. C'est exactement ce qu'a connu la Belgique. Si vous prenez la Belgique, c'est un État unitaire qui explose en trois parties. Et pour rester la Belgique, on passe de l'État unitaire fortement décentralisé à l'État fédéral belge. Donc vous voyez, donc, on n'est que dans des logiques juridiques. C'est pour ça que j'appelle ça la théorie de l'élastique. Si on regarde l'État unitaire, finalement, ce n'est pas quelque chose qui n'existe plus, parce que j'emprunte cette image à l'Université de Sherbrooke. L'État unitaire est omniprésent sur l'espace mondial. Alors, moins en Amérique, certes, parce que ce sont tous les grands États fédéraux, mais au final, c'est l'un des mécanismes de base. Donc, qu'est-ce que cette histoire de théorie de l'élastique? Mais tout simplement, comme l'aborde n'importe quel étudiant en première année de droit constitutif, on sait très bien que l'État unitaire, en termes d'organisation administrative, c'est d'abord un État qui est centralisé, concentré. Un des mécanismes pour le rendre plus fonctionnel, ça a été la déconcentration. On parle donc de pouvoir hiérarchique, c'est là où on explique aux étudiants comment marche le préfet, etc., etc. Et puis, pour fonctionner au regard de la société, et je dirais, le fait que la démocratie s'est totalement installée sur plusieurs territoires dans les sociétés pluralistes, ça c'est comme ça qu'on nous le vend hein, politiquement, mais l'État, pour fonctionner, lui, a besoin, tout simplement, de décentraliser. Et donc, il a décentralisé quoi? Mais comme vous le savez, pour la Guadeloupe, mais tout simplement, d'abord, il a décentralisé son territoire et ensuite ses fonctions. Ce qui fait que, tout simplement, on est dans la décentralisation administrative. On connaît la Catalogne, de la Corse, ce serait une sorte de troisième case,
qui apparaîtrait ici, qui serait la décentralisation politique. Alors, pour revenir à cette idée d'élastique, moi, c'est ce que j'explique aux étudiants. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Donc, j'ai un élastique entre les mains. Voici donc l'état unitaire basique. Donc, il a un pouvoir d'élasticité. On a d'abord tiré dessus, on a appelé ça la déconcentration. Et puis, il n'a pas cassé. Donc, c'est fonctionnel. Donc, administrativement, on a tiré plus dessus, on a appelé ça la décentralisation administrative. Et il n'a pas cassé. Dans certains pays, on a tiré beaucoup plus fort dessus, en Espagne, et on a créé la décentralisation politique. C'est-à-dire tout simplement ce qui nous manquerait en France. Et puis, je dis à mes étudiants le plus souvent, lorsqu'il est quasiment translucide, avant qu'il casse, on est dans ce qu'on appelle l'état régional. Alors vous allez me dire, oui, mais nous, en France, ça ne nous concerne pas. Ben oui, mais non, comme dirait l'autre. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous en France, comme le dirait ma collègue Véronique Bertil, que vous connaissez bien, donc de l'Université de Bordeaux, ben, la France est un État régional asymétrique. Pourquoi? Mais parce que, comme le dirait Léa Havard, pour rester dans le même cercle, pour faire référence à leur centre, mais parce que depuis la Nouvelle-Calédonie, nous en France, on a une petite constitution dans la grande, celle de la Nouvelle-Calédonie. Ce qui fait que la Nouvelle-Calédonie est beaucoup plus autonomique que la Catalogne. Ce qui fait que chez nous, on a une région fortement autonomique. Et c'est tout. Les autres le sont beaucoup moins. L'effet donc domino, c'est d'aller vers la Nouvelle-Calédonie. Alors, on sait en plus que c'est possible parce que depuis 91, alors vous, bien sûr, c'est la loi, bien sûr, de la révision constitutionnelle 2003, mais nous, sur le plan, je dirais, juridique, ben, on sait que depuis la décision du Conseil constitutionnel de 91, avec le statut de la Corse, ben, c'est possible finalement de créer des unités catégorielles. Donc, on peut sortir de cette indivisibilité tout en tirant sur l'élastique sans pour autant le faire casser. Ce qui fait qu'on peut aller vers un droit à la reconnaissance, et cette reconnaissance passe par le législateur, etc. Bon, vous savez ça mieux que quiconque. Donc, on est bien aussi dans cette logique d'architecture institutionnelle. Et ça, c'est depuis 91. Depuis 91, on sait que institutionnellement, on peut produire quelque chose à géométrie variable. D'ailleurs, le projet pour la Guadeloupe fait partie de cette géométrie variable dont tu parlais tout à l'heure, Fred, avant le début de mon intervention. Donc la France, en tant qu'État unitaire, mais, par la décentralisation, qui n'a d'abord été qu'administrative, peut aller vers maintenant à quelque chose qui serait peut-être pas politique, mais qui serait quelque chose de nouveau, c'est-à-dire l'application de la vraie décentralisation. Et celle-ci passe par trois voies possibles. L'adaptation, l'habilitation et enfin, bien sûr, celle qu'on utilise encore moins, l'expérimentation. Donc, pour finir là-dessus, il me faudra encore quelques minutes, donc pour finir là-dessus, je vais utiliser les travaux de Mélas-Cromagnin, que vous connaissez, je pense, aussi bien que Véronique Bertil, par rapport à tout ce qu'il a pu écrire autour de l'ultramarin. Et le professeur Mélin, dans un article paru déjà maintenant il y a quelques années, en 2012, expliquer qu'il y avait trois formes de décentralisation importantes qu'on devrait retenir. C'est d'abord l'adaptation, ensuite l'habilitation et enfin l'expérimentation. Alors, l'adaptation, c'est simple, comme le montre l'article 73 que vous connaissez bien, c'est lui qui change toute la donne. Ici, on se retrouve donc avec une sorte comment je peux dire, d'opportunité qui vous donne l'habilitation à relire les lois. Alors, bien sûr, ce n'est pas si simple que ça, parce que l'adaptation, en fait, comme vous le savez, elle est décidée, bien sûr, par les collectivités, mais tout ça est entre les mains, donc, plutôt du législateur. En d'autres termes, sur le plan de la compétence, même si le changement est profond, les adaptations peuvent être décidées par les collectivités territoriales. C'est l'article 113, mais en fait, le domaine de relevant des compétences dévolues aux collectivités concernées est souvent freiné par l'autorité parlementaire. Ce qui fait que, bon, c'est simplement quelque chose dont on dispose, mais qui ne fonctionne pas vraiment. Il y a aussi le phénomène d'habilitation que vous connaissez mieux, c'est-à-dire le pouvoir normatif délégué. Donc là, ici, on a un pouvoir normatif qui est délégué au profit de collectivités comme la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, la Corse. Demande cette habilitation. Donc ici, à part la Réunion, hein, qui fait figure d'exception, on est dans des compétences normatives. Mais pareil, comme vous le savez, elle s'exerce bien, mais bien sûr au niveau des collectivités territoriales concernées, mais elle requiert cette habilitation
du Parlement une autorisation. Bref, il n'y a pas autorité ou de l'autorité réglementaire. Donc, l'habilitation passe encore par les parlementaires. Donc, cette compétence normative demeure certes encadrée. Elle requiert donc cet accord du Parlement. Et ce qui est assez intéressant, surtout, comme je l'ai mis en rouge, elle ne peut intervenir que dans un nombre restreint de domaines. Ce qui fait que ça la réduit à un maximum, si vous voulez, en termes d'ouverture, en termes de compétences. En gros, bien sûr, il ne faut pas qu'elle mette en jeu la souveraineté nationale, mais vous voyez, par exemple, par rapport à la paradiplomatie, elle ne touche pas l'environnement, alors que pour vous, en Guadeloupe, comment pour nous, en Corse, ben, l'environnement va être de plus en plus nodal. C'est-à-dire, vu la crise qu'on rencontre, il faudrait voir en termes d'habilitation comment appliquer les lois, notamment environnementales ou de défense du climat. Donc, en fait, cette loi, finalement, ça n'a rien à voir avec les lois pays, bien sûr, la Nouvelle-Calédonie. La seule région qui a utilisé finalement cette habilitation, ben, c'est vous. La région de Guadeloupe a été la première et jusqu'à présent la seule vraiment à l'utiliser, quoi. Les autres ne l'utilisent pas vraiment. Le troisième point, c'est l'expérimentation. Alors là, c'est extraordinaire parce que finalement, personne ne l'utilise. Pourtant, ça existe dans l'article 72, alinéa 4. Donc ça permet le recours aux collectivités territoriales, finalement, d'aller vers une sorte d'habilitation liée à l'expérience pour gérer le futur. Donc cette expérimentation, donc, est étroitement encadrée, elle aussi, mais elle est encadrée par la Constitution. Donc, pour le coup, là aussi, on utilise peu ou pas dans notre cadre institutionnel, pour nous, les régions, cette expérimentation. Parce qu'en réalité, ici aussi, tout dépend de la volonté politique des élus, et notamment pour vous, ultramarins. Et donc, soit ils se mettent en œuvre ou pas. Est-ce qu'ils utilisent ou pas le dispositif? Les Polynésiens ne l'utilisent pas. On ne peut pas dire, donc, pour l'instant, que cette faculté a été suscitée par un grand engouement. Donc, ces trois déjà levels ou degrés peuvent être intéressants pour dire, pour faire quoi? Mais pour aborder vraiment l'idée d'un État régional. Tout à l'heure, je faisais référence à Véronique Bertil qui parle d'État régional asymétrique. Eh bien, plus il y aura de régions qui aura de l'habilitation et de l'expérimentation, et plus on se rapprochera de l'État régional, moins celui-ci sera asymétrique. C'est d'ailleurs ce que pense mon collègue et ami avec qui je travaille là, sur ces questions, Guillaume Rousseau, de l'Université de Sherbrooke. Sa thèse publiée devant vous, l'État-nation face aux régions, montrait déjà que la singularité des statuts que permet l'État unitaire donnait plus de compétences, plus d'autonomie administrative aux régions que les États fédérés. En d'autres termes, le Québec est moins autonomique pour lui que la région de Corse, sur certains points. Alors là, bien évidemment, ça étonne les Corses quand je dis ça, parce qu'eux, ils pensent politique. Mais M. Rousseau vous parle d'administration, pardon, de droit administratif. D'un point de vue institutionnel, le statut de la Corse donne plus d'aisance autonomique en termes de choix singulier pour l'île que le statut de l'État fédéré de Québec, qui est soumis finalement, ne serait-ce que sur le plan municipal, à la volonté de l'État fédéral. Ne serait-ce que pour qu'il y ait équilibre avec l'Ontario. Je vous ai mis aussi en image une interview qu'il avait fait pour un journal insulaire, puisqu'il était sur place avec moi pour faire une université populaire sur ces questions de l'État régional. Donc, cette idée d'État régional, pour moi, est l'aboutissement de l'élastique, c'est-à-dire le fédéralisme atteint par l'élastique, c'est-à-dire l'État limite de l'État unitaire. Chose qu'on n'a pour l'instant toujours pas touchée. Pour finir, en termes de degré d'autonomie, si on prend l'exemple de l'autonomie des États fédérés, donc par définition, une autonomie, c'est une capacité juridique de prendre ses propres lois. Ça s'arrête là. D'accord? Ce n'est pas quelque chose qui est pré-indépendantiste ou ou proto-indépendantiste. L'autonomie, c'est simplement être autonome sur quelque chose dans un cadre plus grand. Mais les trois niveaux de l'autonomie au niveau du droit constitutionnel sont intéressants parce que, en droit constitutionnel, il y a trois niveaux. Le premier, c'est constitutionnel, le deuxième, législatif, et le troisième, réglementaire. Toutes les régions ont le pouvoir d'autonomie réglementaire, c'est la base. Donc ça marche aussi bien pour l'État unitaire que les décentralisés, que bien sûr l'État fédéral.
Par contre, les États unitaires ne peuvent donner d'autonomie constitutionnelle. Et je serais tenté de dire oui, mais non, parce que la Nouvelle-Calédonie, quelque part avec les lois pays, elle n'est pas très loin de l'autonomie constitutionnelle. Mais il n'y a pas de constitution réelle de la Nouvelle-Calédonie, au sens premier du terme. Donc, ça concerne la Corse, la Guadeloupe ne sont pas concernés, allez, disons-le, par l'autonomie constitutionnelle. Par contre, le level qui mérite d'être travaillé, le niveau donc qui mérite d'être étudié, c'est l'autonomie législative. Bien sûr, tous les États fédérés disposent de l'autonomie législative. Et quelques régions fortement décentralisées, la Nouvelle-Calédonie, la Catalogne, l'Écosse, pour ne citer la Sicile, se rapprochent de cette autonomie législative. Et de fait, on parle d'État régional. Donc c'est peut-être la réponse aussi institutionnelle. C'est-à-dire qu'on peut être dans des logiques d'État régional sans pour autant parler de politique. Sans parler pour autant de, par exemple, parler de peuple corse ou de peuple kanak, etc. Donc, en conclusion, bien sûr, quand je t'ai envoyé la photo, Fred, j'avais ça dans mon téléphone, mais quelque part, inconsciemment, j'ai fait un message subliminal. Alors, au début, j'ai cru que c'était envoyé à l'université de Guadeloupe, et mon message. Mais en fait, il était envoyé à moi-même. C'est-à-dire que grâce à tout ça, l'ouverture, au moment où je vous parle, on peut se rappeler que le 3 juillet 1801, donc Toussaint Louverture a proposé ce qu'on appelle la Constitution autonomiste. C'est-à-dire il a proposé finalement un système basé sur l'État régional. Alors bien sûr, certains vous diront qu'il y a une contradiction chez Toussaint Louverture ici parce que il passe de la Révolution de Saint-Domingue finalement à la mise en place d'un système, on va dire, de département. Mais c'est plus qu'un département. Si on regarde véritablement cette constitution de 1801, par exemple, dans le titre 7 de la législation et de l'autorité législative, il nous dit quoi? Mais que le régime de la colonie est déterminé par les lois proposées par le gouverneur et rendues par une assemblée d'habitants. Une assemblée d'habitants, donc, qui se réunissent à des époques fixes au centre de cette colonie, sous le titre d'Assemblée centrale de Saint-Domingue. Dans l'article 21, ils ajoutent, aucune loi relative à l'administration intérieure de la colonie ne pourra y être promulguée si elle n'est pas revêtue de cette formule, je cite, l'Assemblée centrale de Saint-Domingue, sur la proposition du gouverneur, rend la loi suivante. Dans le titre 8 du gouvernement, donc, parce qu'il y a 26 articles pour la législation, on peut lire, article 27, les rênes administratives de la colonie sont confiées au gouverneur qui correspond directement avec le gouvernement de la métropole pour tout ce qui est relatif aux intérêts de la colonie. Article 28, la Constitution nomme gouverneur le citoyen Toussaint Louverture, général en chef de l'armée de Saint-Domingue. Exactement le même titre que Pascal Paoli, général en chef. Donc ici, on a bien la mise en place d'un État autonomique. C'est simplement la première fois, d'ailleurs c'est le tout début de la République, mais c'est la première fois donc qu'on propose dans le cadre de la République, non pas de la déconcentration, mais de la décentralisation, au sens qu'on vient de le voir ensemble. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup, Thierry. Est-ce que tu peux, voilà, très bien, enlever le PowerPoint que je te partage. Très bien. Alors, merci beaucoup pour cette intervention, en tout cas, très riche en informations, mais également surtout en comparaison, parce que, bon, ton intervention permet de mieux comprendre ces questions à travers une approche comparative. Alors, je signale à tout le monde que l'on peut poser des questions, non pas directement, mais par écrit pour ceux qui sont dans la salle et sur le chat, on va les répertorier ou Thierry les verra, mais on les reprendra, ce sera plus simple et plus efficace pour le débat. Donc vous pouvez poser vos questions, nous on les reprend, ou Thierry les lit sur le chat ou on les reprend, mais pour la salle, on va les reprendre. Moi je voulais, pendant que ces questions sont écrites, ou mise sur le chat, je voulais peut-être poser deux petites questions à l'intervenant et peut-être faire un petit commentaire rapidement.
J'ai bien compris, hein, concernant les différents scénarios qui sont proposés, j'ai bien compris la demande corse à travers tout ça. J'ai bien compris également que dans l'histoire, la Corse devient un centre et plus une périphérie, avec à la base une identité forte. Hein. Donc c'est d'ailleurs un des thèmes de colloque que de Livési avait organisé, il nous avait invité à cohorter sur ce sujet-là, les régions à forte identité, j'étais présent. Alors, Thierry, moi, je pense que de ta présentation, ça nous renvoie quand même à une problématique qui nous concerne aussi dans ce qu'on appelle les Outre-mer. On est partagé entre deux approches de l'autonomie. Alors, pas la dernière que tu abordes, et on reviendra dessus. Autonomie administrative ou autonomie politique. Alors, autonomie administrative, on la connaît, c'est Saint-Martin, Saint-Barthélemy, c'est la Polynésie aussi. Et puis, l'autonomie politique, c'est celle que tu évoques à travers la notion d'autonomie législative, les droits pays, notamment, qui permettent à la Polynésie de faire la loi sur place. Alors, ma question est de savoir si aujourd'hui, en Corse, est-ce que le nouveau pouvoir corse, nationaliste, est-ce qu'il a fait un choix de statut d'autonomie législative? Et si oui, quels sont ses arguments? Quel est le référentiel et les motivations et puis les arguments qu'il propose par rapport à ça. Et puis, une deuxième question concernant la Corse toujours, la question de l'architecture institutionnelle. C'est important pour nous aussi parce que en Martinique, ils ont choisi un modèle qu'on appelle à la Corse. Hier, j'étais en entretien avec une élue martiniquaise qui me disait, la Guadeloupe, la Martinique a choisi. Cerise sur le gâteau, une architecture à la Corse. Alors moi, j'ai bien envie de savoir cette architecture à la Corse avec un mini-gouvernement et une assemblée qui rappelle le modèle parlementaire. Quel est le bilan que l'on peut faire de ce modèle dit à la Corse pour nous? Et dernière chose, qui est peut-être un commentaire. Dans ta dernière partie, tu nous présentes bien effectivement la tendance vers l'État autonomique. Et puis, j'ai bien aimé la métaphore de l'élastique, en nous rappelant que adaptation, habilitation notamment, sont possibles et participent justement de cette élasticité du système de l'État unitaire. Mais mon problème, ou notre problème ici, c'est que on a connu déjà ça. Adaptation, habilitation, et on se pose des questions sur l'effectivité de ces possibilités-là. L'adaptation, on connaît, habilitation aussi, mais les juristes, parce que je ne suis pas juriste, mais je m'intéresse beaucoup à ce qu'écrivent les juristes, il y a deux juristes qui récemment m'ont convaincu, en tout cas en les écoutant, que l'habilitation et les dérogations sont des procédures quasi impossibles. L'histoire de nos rapports avec l'État montre bien que c'est un principe que nous avons, mais qui est difficilement applicable. Comment expliquer, par exemple, que dans l'histoire des habilitations, en Guadeloupe, on a eu deux, je crois, habilitations sur les énergies renouvelables et l'autre sur, je crois, la formation professionnelle. C'est bien ça. C'est bien ça. En Martinique, récemment, on a rencontré celle de chimique qui nous disait, bon, j'en ai fait quelques-unes, elle a fait peut-être la même chose, hein, ou trois habilitations. Mais le constat qui est fait, c'est que c'est quasi impossible. Et Stéphane Diemertz, que nous avons rencontré, qui a réalisé un webinaire comme toi tu l'as fait aujourd'hui, mais également un juriste guadeloupéen qui, à mon avis, qu'on n'entend pas assez souvent, qui s'appelle Dominique Blanchet, qui a fait récemment un travail intéressant, qui nous montre que c'est tellement compliqué de mettre en œuvre des habilitations que même le législateur s'est trompé dans sa formulation. Donc je veux dire par là que si sur le principe c'est intéressant, dans la réalité, la procédure est quasi impossible. Il y a un discours aujourd'hui, il y a un discours ambiant sur l'incompétence des élus, que je ne partage pas. Les élus ne sont pas incompétents. Je veux pas comprendre que depuis 46 à 80 à 2024, que les élus soient incompétents et soient dans l'incapacité de faire avancer les choses. Je pense qu'il y a des verrous qu'il faut peut-être faire sauter. Et il me semble que les habilitations, les dérogations sont à revoir. Parce que la mise en œuvre de ces possibilités, cette mise en œuvre est quasi impossible, voire extrêmement difficile. Donc voilà ce que je voulais te dire. Si tu veux réagir le temps que les questions viennent, d'autres questions, et Alors, qu'on puisse les gens.
Alors, d'abord, par rapport à la première question, en fait, j'ai oublié d'en parler alors qu'elle était en vignette. Ce qui est intéressant de voir, c'est que pour le statut de la Corse, ils ont deux rapports, je dirais, sous leur bras. Et les deux rapports ont été faits par la professeure Vanda Mastor. Donc, ces deux rapports sont intéressants parce que Vanda Mastor, c'est l'héritage favoreux, hein, donc cette école de constitutionnalistes qui regorge donc le monde ultramarin, et c'est aussi Monsieur Mélin, ce Crémagnien. Donc, on est dans cette logique, moi jacobine, si tu veux, de l'analyse du droit constitué. Ceci étant dit, ce que proposait, moi, ce que j'essaie souvent, même d'ailleurs, de rappeler. Alors, tout à l'heure, je ne l'ai pas fait, mais du coup, c'est un manquement. Mais on a tendance à croire qu'il y a 70% d'électeurs nationalistes en Corse. En fait, ce n'est pas le cas. On a 70% d'électeurs et parmi ceux qui ont voté nationaliste, et parmi ces 70% d'électeurs, tu as toujours à peu près les 30 à 37% classiques qu'on avait en 2010, par exemple, lorsqu'ils étaient désunis. C'est pour ça qu'ils n'ont pas gagné. Et puis après, le reste peut être considéré comme étant un vote contestataire. Parce qu'en fait, le combat premier a été de sortir les partis traditionnels dits claniques du système. Et donc, de fait, ce nationalisme majoritaire, il est entre deux, il se retrouve entre deux univers, deux dimensions. La première, normale, il doit obtenir l'autonomie du peuple corse. D'où les trois scénarios, les trois thèmes qu'il emploie, le peuple corse, langue corse et le caillou dans la chaussure, hein, il n'y a pas d'autre terme malheureusement pour eux, la place des prisonniers politiques. Suite à l'assassinat en plus d'Ivan Colonna, ça a surenchéri cette question parce qu'il est évident que pour eux, une personne incarcérée, des prisonniers politiques, ils n'ont pas de droit commun. Ils n'ont rien à voir avec le grand banditisme. Ce qui fait que, donc, il doit produire ce discours, Gilles Sibiol. Mais en même temps, ce que lui demandent les insulaires, ben c'est plus de décentralisation. Ouais, tu vois, par exemple, dans mon entourage, je connais des gens qui l'ont voté, mais qui ne sont pas corses, qui sont continentaux, mais qui vivent sur l'île depuis 20 ans, 25 ans, voire plus. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est se retrouver sur une île moins enclavée, moins dans le rocher, dans la mer, quoi. Et avoir, par exemple, ne serait-ce qu'Internet qui arrive au village. Pouvoir vivre l'hiver et pas être bloqué dès qu'il y a les premières neiges, etc. Et donc, ils se retrouvent prisonniers je dirais, double discours parce que ils pourraient dire, bah, écoutez, moi je veux plus d'habilitation au sens de région qui ne revendique pas d'autonomie politique, peu importe le peuple corse, peu importe la langue, moi je veux plus de compétences. Mais en même temps, s'il obtient beaucoup, beaucoup plus de compétences, imagine qu'il obtienne les compétences liées à l'article 73, mais au final, s'il n'a pas le peuple corse dans sa musette et s'il n'a pas la langue, eh bien, il a perdu. Aux échecs, il y a un terme pour ça. Tu sais, tu joues tout coup et perdant. Aux échecs, on appelle ça le zugzwang. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai l'impression que quoi qu'il joue, ben, ça va être mauvais parce que on politise trop la situation. Et on oublie la réalité, c'est qu'il a été élu par des gens qui n'en voulaient plus du système d'avant, dont notamment cette jeunesse. Alors c'est ça qui est. Donc voilà, pour la deuxième question, la Martinique, le modèle, ouais, ben, tu sais, la seule différence qu'il y a, je crois que c'est par rapport à la collectivité unique, c'est tout. Mais non, ce n'est pas le congrès de la Nouvelle-Calédonie non plus, quoi. Tu vois, ça passe cette. Alors maintenant, ce qui était intéressant, c'est les mois maintenant, c'était comment utilisait et comment travaillait en tant que président de l'Assemblée, Jean-Guy Talamoni. Il est vrai que toute la période de sa mandature en tant que président de l'Assemblée a permis une paradiplomatie, a permis une réalité pour le nationalisme, tout en étant, a donné une certaine maturité, une image très mature du politique. C'est-à-dire qu'avec Jean-Guy Talamoni, c'était finalement le président le plus modéré qu'a connu l'Assemblée territoriale de Corse. À l'inverse, aujourd'hui, Madame Opportuis incarne c'est la première femme présidente de l'Assemblée. Elle est donc autonomiste, mais elle ne fait plus le même travail, je dirais, de politisation du truc. Jean-Guy Talamoni est allé jusqu'à demander le salaire universel pour la jeunesse, par exemple, à travailler sur le statut de résident, etc. Donc, tu vois, il était dans cette logique-là. Maintenant, la Martinique, après, c'est vrai que moi, j'aurais tendance à te dire que c'est peut-être aussi lié par rapport au mouvement indépendantiste, notamment le mouvement indépendantiste martiniquais. Et donc, c'est vrai que dans l'imaginaire, à un moment donné, il y avait aussi. Je me souviens que ce mouvement rappelait que, bon, il n'utilisait pas la violence, etc., mais qu'il pouvait. Voilà. Mais franchement,
Côté Corse, ben pour eux, il n'y a pas de modèle à la Corse. Et lorsqu'ils voient la Martinique, ou même la Guadeloupe, mais surtout la Martinique, par rapport à ta question, ben ils ne se sentent pas du tout, je dirais, en reflet, quoi. Pour eux, ça n'a strictement rien à voir en termes. Mais non, et je crois que c'était la question la plus importante que tu m'as posée. C'est oui, tu as raison. Et on le voit, Vandamme Astor le dénonce aussi. Ben, le problème, même tous les grands spécialistes comme M. Mélin-Subramania, ou même mes collègues comme Léa Havard, ou Lydia Lebon d'ailleurs aussi, qui a travaillé là-dessus notamment. Ben, le problème, c'est que l'adaptation et l'habilitation, ce sont deux outils qui ne fonctionnent pas en fait. C'est un peu comme ma perceuse, tu sais, j'ai beau la charger, elle ne marche pas, quoi. Donc, c'est dommage. Hein. Au début, elle marchait, tu vois. Donc, comme tu l'as dit, l'environnement, machin, grainerie. Puis au bout du troisième ou quatrième chargement, comme toutes ces perceuses pas chères, mais elle ne marche plus. Alors, je l'ai, hein, tu sais, je l'ai encore hein, chez moi, là-bas, dans un coin. C'est un peu comme ça que nos hommes politiques le vivent, hein, je pense. Ils l'ont, hein, ils ont dans leur poche, dans leur, je dirais, pochette, le pouvoir d'adaptation ou d'habilitation. Mais ils savent que ça ne marche pas. Et lorsque ça marche, ou du moins ça donne l'espoir que ça va marcher, la procédure est tellement, je dirais, longue, tellement, y a tellement de choses trappes jusqu'aux décisions du Parlement, qu'au final, elle est mort-née, en fait. Et très vite, par exemple, pour le cas Corse, ça va être politisé. Et donc, de fait, elle va s'étioler. Parce que personne ne voudra l'attraper en disant oui, mais non, c'est qu'une question économique, etc. Donc, moi, je pense que c'est plus. Alors, mais non, ce que dit Mélin dans l'article que j'ai utilisé aujourd'hui, que je n'avais pas lu avant, il y a 3-4 jours, je ne le connaissais pas, je ne l'avais pas lu. Tu vois. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir l'idée que un truc vraiment. Alors, on a un super outil qu'on n'utilise pas du tout, c'est l'expérimentation. Et qui serait une sorte d'habilitation plus, en fait. Alors ça existe, ça aussi, il faudrait peut-être le travailler. Mais au final, ce n'est pas les règles qui ne sont pas bonnes. C'est que le système jacobin dans lequel on vit empêche leur réalisation. C'est-à-dire que si tu regardes institutionnellement, l'adaptation fonctionne, habilitation fonctionne, expérimentation fonctionne. Mes collègues québécois te diraient, mais d'ailleurs, comme le dit Guillaume Rousseau, mais ce qui montre que parfois une région fortement autonomique est beaucoup plus enfin, autonomique qu'un État fédéré. Mais un peu comme chez lui, ben, les acteurs institutionnels bloquent. Et donc, de fait, ça ne fonctionne pas. Et je pense, et juste pour finir, et je pense que ce n'est pas une idée comme on l'a toujours vendue de manque de maturité ou de professionnalisme de nos élus. Là, ils sont bien, bien plus professionnels que certains aujourd'hui. Nous sommes d'accord. Mais dis-moi, est-ce que finalement, face Pardon. à ces limites de l'habilitation et des dérogations, est-ce que la solution qui est proposée par certains élus, je pense en Guyane et en Martinique, c'est la proposition d'un pouvoir normatif autonome, d'un pouvoir législatif autonome dans les domaines de compétences, bien sûr, de la collectivité, et pas bien sûr, pas les questions régaliennes, mais est-ce que l'idée d'un pouvoir normatif autonome par lequel la collectivité peut décider localement dans ces domaines de compétences n'est pas la solution dans l'État unitaire français? Je pense que oui, en fait. Mais en fait, c'est quoi la différence avec l'expérimentation? Tu vois, c'est pareil. Est-ce qu'on l'utilise jamais? L'expérimentation, à mon avis, ça reste encore c'est limité, effectivement. C'est-à-dire que c'est pour un temps donné dans un domaine restreint. Là, le pouvoir autonome, il est total dans les domaines de compétences de la collectivité. D'accord. On sait où on va, on a les moyens de faire et on contrôle et on est responsable surtout, la responsabilité, y compris de ce qui ne marche pas. Parce que souvent chez nous, on a tendance à tout renvoyer à l'État, comme si l'État était responsable de tout. Mais souvent, nous sommes responsables également de ce qui ne fonctionne pas et il faut l'assumer. Il me semble que le système actuel, il déresponsabilise, si on peut dire, et que le fait de donner un pouvoir législatif autonome nous permettrait d'être beaucoup plus responsables de ce qui fonctionne, mais également de ce qui ne fonctionne pas. Et à mon avis, l'électeur, il aurait face à lui des élus qui sont responsables, et à mon avis, la relation pourrait même s'améliorer entre l'électeur et l'élu. Alors, pour le cas ultramarin, je ne pourrais pas te dire parce qu'il faudrait que je le vive, tu vois, vraiment. Je l'ai que d'une manière, dans ma tête, que d'une manière livresque, on va dire. Mais par rapport au cas Corse, si tu veux, le problème, c'est que la relation entre les élus régionaux et nationaux est trop politique.
Il est là le problème. Moi, à mon avis, c'est pour ça que j'ai fait référence à Guillaume Rousseau, qui, lui, essaye de promouvoir la politique, elle ne rentre pas en ligne de compte. Et tu vois, quand Gilles Simeoni va parler avec le Premier ministre ou le ministre de l'Intérieur, très vite, que vont dire les médias? Ben, le chef du mouvement nationaliste, ils ne vont pas dire le président de l'exécutif. Alors que c'est le président de l'exécutif qui vient, c'est pas. C'est ça qui pose problème, à mon avis. Pour le cas martiniquais, c'était ça le problème, c'est qu'on politisait. Chaque fois, on disait oui, mais c'est les indépendantistes qui parlent. Non, en fait, il faudrait dire ben voilà, c'est des choix d'insulaires. Moi, je crois que c'est ce que j'ai essayé de montrer dans ma démonstration, c'est que vous comme moi, ben, il y a un truc que eux n'ont pas, c'est que nous, on est insulaires. Et l'insularité, c'est pas quelque chose qui se vit. Quelque chose qui se vit différemment de quelqu'un qui vit sur un continent, par exemple. Juste un exemple. Quand je suis arrivé sur le continent pour vivre à Bordeaux, pour faire mes études et finir professionnellement, donc maître de conférence à Bordeaux, quand je suis arrivé à Bordeaux, la chose qui m'a le plus choqué, c'est de voir l'étendue, de pouvoir voir si loin, de voir que je pouvais partir loin avec ma voiture, très très loin. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai réalisé que tout l'enfermement de l'insularité que je vivais quand j'étais en Corse. Et donc, de fait, ce phénomène d'insularité, ben, il faut que notre système institutionnel en tienne compte. Qu'on ait une forte ou une faible identité. Tu vois, qu'on soit sur une île et qu'on n'ait aucune volonté d'appartenir à un autre collectif autre que le national, mais qu'on tienne compte du fait qu'on vit sur une île. Et que sur une île, ce n'est pas pareil. Que le rapport au monde n'est pas pareil, que le rapport au temps n'est pas pareil, que le rapport aux gens n'est pas pareil, et que donc de fait, ben, la seule et unique singularité qui permettrait tous ces mécanismes, ben, c'est l'insularité. Moi, je vois ça comme ça, c'est-à-dire que si on va dire, ouais, mais alors c'est la Guadeloupe, c'est par rapport à leur identité, je ne sais pas, voilà, bon, les gens vont dire, ouais, mais non. Alors que non, la Guadeloupe a surtout besoin d'être désenclavée, quoi. Au-delà de tous les phénomènes. Mais après, voilà, comme je disais tout à l'heure, le problème, c'est que même moi, tu vois, chaque fois que j'ai interviewé dans les médias, je suis presque obligé de me justifier au départ par rapport à ma corsitude pour pouvoir discuter. C'est un truc de dingue. Au point que, tu vois, quand je t'ai interviewé sur la mort d'Ivan Colonna, Ivan Colonna, c'était pas un proche, donc on me faisait reposer tout le poids de la mort d'Ivan Colonna, l'assassinat d'Ivan Colonna. Mais pour expliquer la situation de Colonna, je projetais la situation sur Léonard Peltier, donc le fameux Amérindien qui vit la même chose. C'est-à-dire qu'il a été enfermé 40 ans, ça fait 40 ans qu'il dit que ce n'est pas lui qui a tué les agents du FBI. Rage Against the Machine en a fait une chanson, Freedom. Donc Léonard Peltier, du coup, donc tu parles de Léonard Peltier, donc c'est de loin, du coup on t'entend. Tu vois, si je parle de la situation de Colonna, ben du coup, ben non, ça crée trop de sentiments, trop de peur aussi d'une séparation. Donc c'est ça qui est compliqué, enfin pour le cas Corse en tout cas. Très bien. Alors, je vais passer la parole à Julien Mirguillon, peut-être, qui a des questions qui sont dans le chat. Je vais essayer de Julien? répondre plus rapidement, Oui, plus court. pas de problème. C'est d'abord une Demande. question, disons, de réflexion que je voulais poser. Alors, il me semble que dans les propos de M. Dominici, il y a une esquisse de ce que je peux appeler une sociologie du nationalisme corse. Est-ce qu'on peut parler effectivement d'un nationalisme à plusieurs étages s'agissant de la Corse? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, elle concerne la violence. Alors, elle est en toile de fond, bien évidemment, de la problématique politique. Alors, la question que je me pose, est-ce que souvent, elle n'est pas un catalyseur de l'autonomie, un catalyseur de l'émergence nationale? Voilà un peu les deux questions que moi je vous ai posées. Alors dans le chat, il y a une question qui est importante, hein, qui a trait au taux de chômage, notamment dans la jeunesse. Et la question qui est posée est de savoir est-ce que cette jeunesse, bon, ne subit pas, comme c'est le cas en Guadeloupe, la fuite, ou en tous les cas n'est pas dans la perspective de la fuite des cerveaux, autrement dit,
elle partirait et elle ne reviendrait pas. Ce qui me permet de poser une deuxième question aussi, une troisième question, c'est quelle est la place et le rôle de la diaspora corse dans toute cette problématique nationaliste? Alors déjà, en termes de système politique, aujourd'hui, on peut dire que tout le spectre idéologique, aussi bien de droite que de gauche, est nationaliste. C'est-à-dire que les partis traditionnels ne pèsent plus réellement grand-chose et vous allez voir peut-être leur retour aux élections, avec les élections européennes, parce que les indépendantistes ne participent pas et les nationalistes pas vraiment à cette élection. Mais si on regarde la région et le poids des acteurs politiques aujourd'hui en tant qu'entrepreneurs, c'est des nationalistes. Alors, comment on est arrivé à ça? Tout simplement parce que la victoire a permis l'émergence de nébuleuses. Par exemple, il y a même une nébuleuse fortement ancrée en extrême droite nationaliste corse aujourd'hui, portée par une certaine jeunesse, etc. Donc en gros, voilà, si je n'ai pas compris la question, j'espère que j'ai répondu à celle-ci, quasiment les forces sont portées par cela. Alors la violence, en fait, non. C'est-à-dire que la violence dessert l'autonomie. Depuis toujours, d'ailleurs, depuis la naissance des autonomistes, la question de la violence était la question centrale parce que l'UPC est né de la violence, c'est-à-dire de la fin de l'utilisation de la violence, si je puis dire. L'ARC, la première filiation, a été au cœur de l'affaire d'Aléria. Suite à l'affaire d'Aléria, il y a eu des morts, etc., comme vous le savez peut-être. Et là, le mouvement a décidé de mettre un terme à la violence et de passer à l'opposition. Donc nationaliste d'opposition. Et durant toutes ces années, ce qui était dérangeant dans le rapport politique centre-périphérie, c'était la place que prenait, comme je l'ai montré dans ma conférence, la violence. Alors pour X raisons, je n'ai pas expliqué ici, mais la violence était donc nodale. Aujourd'hui, non. J'ai l'impression que certains ont envie de sortir le vieil épouvantail. C'est-à-dire la violence, pour effrayer ou inquiéter celles et ceux qui sont en train de négocier l'évolution statutaire de la Corse. Il y a une émergence, comme je disais tout à l'heure, d'un groupuscule qui se revendique de la jeunesse. Il y a des FLNC à la retraite qui réapparaissent. Bon, bref, j'exagère bien sûr, mais pour faire simple, si vous voulez, il y a un retour à la violence. Alors, il faut savoir raison garder. Celles et ceux qui ont travaillé comme moi sur la violence le savent. En Corse comme ailleurs, on peut faire un bombage sur un mur, c'est pas pour autant qu'on est un groupe. On peut faire une action tout seul, c'est pas pour autant qu'on est un groupe. Mais il est vrai que médiatiquement, et j'en parlais tout à l'heure, même moi en tant que spécialiste, ce qui intéresse au niveau de la Corse, c'est la question de la violence. Et ça depuis le XVIIIe siècle, depuis les bandits d'honneur, etc. En gros, le Corse est violent par nature. Donc de fait, le côté belliqueux et belligène des Corses intéresse les médias, l'espace public, au point que la violence réapparaît tout le temps comme ça. Mais là, au moment où on se parle, il y a un retour des groupuscules armés, il y a eu quelques actions un petit peu disparates, et on peut se demander si ce n'est pas une volonté de, finalement, de nouveau de diaboliser le processus. La question de la jeunesse. Alors, oui. Moi, je l'ai noté par rapport aux revendications de la Guadeloupe. C'est-à-dire que quand je faisais mon terrain postdoctoral sur la jeunesse en Corse, il y avait en même temps ces mouvements de jeunes en Guadeloupe qui, eux aussi, mettaient en avant leur sentiment de déclassement. Par contre, à l'inverse peut-être de la Guadeloupe, la fuite des cerveaux, c'était plutôt ma génération. Tout à l'heure, Fred Reynaud expliquait que nous avions un ami commun, c'était Claude Olivès. Mais Claude Olivès, je le revois encore me faire des lettres de recommandation pour que je puisse fuir et faire de la science politique par le biais d'une LAP, d'une licence d'administration publique, dans une fac donc continentale. Alors que techniquement, comme on avait une fac en Corse, d'ailleurs création de Pascal Paoli, au fait, en passant, vu qu'on avait de nouveau une fac en Corse, techniquement, moi, je devais finir ma licence à Corté. Mais je rêvais vraiment de partir étudier les partis politiques et faire une nappe. Et donc, avec pas mal de mes collègues à l'époque, on est parti. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les jeunes veulent rester. Ils veulent rester en Corse, ils veulent nourrir l'université, ils veulent que la fac soit forte. Et d'ailleurs, elle est forte, la fac de Corté. C'est une fac assez, je dirais, cotée, avec des chercheurs brillants et des étudiants brillants. Mais au final, eux, ils veulent rester à Corté.
Nous, on nous expliquait qu'il ne fallait pas aller à Corté. Il fallait qu'on parte ailleurs. D'autant plus que Corté est en construction à mon époque. Donc non, aujourd'hui, la seule suite de nos cerveaux, vous voyez, même notre champion du monde d'échecs, ben, il vit toujours à Bastia, quoi. Il aurait pu vivre, bien sûr, il joue pour un club parisien, mais vous voyez, donc, personne, la jeunesse actuelle veut rester, mais rester dans les meilleures conditions, ou dans de meilleures conditions. Thierry de Peretti le montre bien dans son film Les Apaches, je vous invite à regarder si vous avez l'occasion, où on voit cette jeunesse qui se sent véritablement délaissée, mais qui n'est pas en déshérence. Il y a un système de solidarité chez les jeunes, notamment d'obédience nationaliste, mais pas tous, assez incroyable, que j'avais pu étudier, vous voyez, par exemple, à l'université de Corté, pour résister entre eux, pour tenir, parce que c'est très dur, hein, certains ne mangent pas, font pas les 2 repas par jour, mais il y avait un annuaire d'entraide, qui est électricien, qui sait réparer une voiture, etc. Donc, ils sont vraiment dans une logique de retour à la terre, pas de départ. Alors, la diaspora, ben, je serais tenté de vous dire, les Corses, ce n'est pas des Turcs ni des Irlandais. Il y a un grand mythe, hein, de la diaspora. Moi, je me refuse d'être incorporé à la diaspora parce que je me sens plus dans l'exil que dans la diaspora. Mais il est vrai que techniquement, mes enfants feront partie de la diaspora. Mais en fait, il n'y a pas de diaspora corse. C'était un vœu pieux de Edmond Siméon. Il existe donc pas mal d'amicales, mais le phénomène diasporique n'existe pas. Il n'y a pas de. Vous voyez, par exemple, les grandes familles corses ne renvoient pas de l'argent sur le territoire national pour aider la jeunesse, etc. Non, la seule et unique diaspora, je serais tenté de calquer un discours aux indépendantistes, ben, elle vient l'été en vacances, quoi. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Oui, très bien. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. On se retrouve là, ça va. Alors, il y a une question que j'aimerais poser avant de passer à la salle. Au début, tu as signalé que la population corse a augmenté. Nous, c'est le contraire. Elle reste chez nous. Et moi, j'ai suivi quand même aux informations de l'actualité corse, disant que les nationalistes corses s'interrogeaient sur cette augmentation, notamment sur le fait qu'il y avait beaucoup de continentaux qui occupaient l'île, quand le mot a été lâché. Est-ce qu'il y a un problème de ce point de vue? Est-ce qu'il y a l'idée que, comme on dirait chez nous ici, les métropolitains reprennent le terrain, achètent, est-ce qu'il y a un problème continental, finalement, encore sur ce point de vue? Alors, en fait, si tu veux, déjà, il faut savoir raison garder par rapport à ce positionnement des nationalistes. Parce qu'il est vrai que cette idée que les Corses sont colonisés à 7 ou 8 000 personnes par an, etc., c'est un discours qu'on ne trouve pas dans le mouvement nationaliste. Bon, mouvement. Des groupuscules vont s'en revendiquer. Aujourd'hui, il y a un nouveau mouvement porté par la jeunesse, par un jeune en tout cas, Nicolas Batine, qui s'appelle Paladin, Paladine, qui se revendique aussi de ces questionnements. Mais en fait, si tu veux, tout est parti d'une intoxication aussi, que tu retrouves sur l'île. C'est un message qui est envoyé aux Corses par le biais de l'affichage, qui nous dit qu'il ne reste plus que 80 000 Corses en Corse. Et donc, de fait, les Corses sont en danger et que la communauté insulaire est en danger et que, de fait, qu'il y a énormément de gens qui viennent sur le territoire insulaire tous les ans. En gros, les Corses sont une minorité dans les minorités. Alors, moi, je suis intrigué par les 80 000 parce qu'en tant que sociologue, j'aimerais savoir qui est le démographe qui a fait l'enquête. Alors que pour les Bordelais qui m'entourent, si j'ai bien une spécificité, c'est que je suis Corse. Par contre, quand je suis en Corse... Donc, je viens du continent. Donc, cette histoire de 80 000 n'est pas claire. Et ce qui fait, sur le plan du nationalisme populaire, ben, a engendré une peur, une angoisse. Certains sont allés jusqu'à parler de grands remplacements, tu vois, jusqu'où ils sont allés au niveau de l'instrumentalisation du discours. C'est-à-dire qu'on retrouve le discours qu'on a entendu chez toi en Guadeloupe dans certains mouvements, c'est-à-dire un discours qui serait plus proche du RN que d'un mouvement de libération nationale. Mais ça s'arrête là, c'est-à-dire qu'après, au niveau des nationalistes, ceux qui sont basés sur l'idée de communauté de destin, donc sont Corses, ceux qui vivent en Corse, et donc ceux qui construisent l'avenir de l'île sur l'île. Donc la communauté de destin au sens de Pascal Pau, vraiment la communauté de base. Pour les indépendantistes,
Mais ce discours, finalement, les inquiète. Enfin, pardon, ces migrations les inquiètent. Mais eux, ils le dénonçaient par, comme le disait ton collègue tout à l'heure, par la perte de l'autre côté des Corses. C'est-à-dire que, en fait, des Français arrivés sur le territoire, eux, ils diraient des Gaulois, bien sûr, et les Corses partent. Donc, il y aurait. Mais ça s'arrête là. Donc, si tu veux, aujourd'hui, on note qu'il y a 7 000, 8 000 personnes par an depuis 5-6 ans qui arrivent en Corse. Mais sociologiquement, on ne sait pas si c'est pas forcément que des non-Corses. Tu vois ce que je veux dire? En fait, on a simplement cette vague migratoire, mais on ne sait pas. Alors, certains sont des futurs fonctionnaires, d'autres ils viennent pour travailler, mais ils ne viennent que pour la saison, etc. Et puis, il y a énormément de Corses, dont moi, par exemple, le jour de ma retraite, je ferai partie de la même vague parce que je retournerai sur l'île. Tu vois, donc, et ils sont pas comptabilisés, ces gens. On sait simplement, on n'a que le chiffre. 7 à 8 000 personnes venant du continent, voilà. Donc, à mon avis, c'est plus une instrumentalisation politique que quelque chose qui pourrait mettre à mal l'identité corse. Et je le répète, pourquoi? Parce que la base de l'identité corse, c'est la communauté de destin. Très bien. Alors, il y a une question, deux questions. Une question de M. Baltus, qui est politologue et membre du CAGI. Sa question est la suivante. Est-ce que le pouvoir de légiférer motive, est-ce que c'est ce pouvoir de légiférer qui motive le plus le peuple corse dans sa demande d'autonomie? Est-ce que c'est la perspective de pouvoir légiférer qui motive le peuple corse dans sa demande d'autonomie. Alors déjà, je le répète, il n'y a pas de demande d'autonomie du peuple corse, parce qu'il n'y a pas de peuple corse. Tu vois, il n'y a pas eu de grosses manifestations du peuple corse. Non, il y a un discours porté par les nationalistes corses, notamment les autonomistes, sur la reconnaissance du peuple corse, de la langue, etc. Mais l'usager de base, lui, pour lui, par exemple, s'il fait partie de la catégorie des nationalistes, ben il va dire, il veut quoi? Mais lui, il veut la reconnaissance du peuple corse. Il ne connaît pas bien les compétences institutionnelles, futures, il ne voit pas trop ce que ça veut dire. Lui, ce qui l'intéresserait en termes d'habilitation aussi, parce que ça se rajoute, il va te parler de loi pays. Parce que ça lui parle, loi pays, donc loi pays de la Corse, ça, voilà. Ça s'arrête là. Par contre, maintenant, le non-nationaliste, lui, il va s'intéresser à cette compétence normative que l'habilitation pourrait donner. Et lui, il va vraiment se focaliser là-dessus. C'est-à-dire, est-ce que les nationalistes vont être compétents pour gérer finalement ce pouvoir de. Est-ce qu'ils vont avoir la maturité, etc. Alors, les antinationalistes vont expliquer que non. Que Gilles Simeoni n'est pas fait pour ça, qu'il n'est pas, voilà, que Jean-Guy Talamoni n'est pas fait pour ça, etc. Et que, au final, ça sert à rien. Et les autres vont plutôt dire, ceux qui ont voté pour le changement, dire, mais pourquoi pas, espérons au moins le changement en termes de compétences. Mais voilà, mais c'est pas une question de. Les seuls vraiment qui parlent de loi normative, enfin, donc d'habilitation ou d'autonomie législative, c'est dans les cabinets, dans les salons, c'est les élus corses avec le gouvernement. Parce que là, ils parlent, si tu veux, boutique. Ils parlent changement. Mais dès que finalement, ces élus sont amenés à parler aux médias, eh bien, ils vont politiser le truc et parler de peuple corse, de langue corse, et de l'autre côté, de l'impossibilité d'offrir à la région la reconnaissance de cette entité historique. Très bien. Alors, il y a plusieurs questions qui viennent Vas-y. du chat, notamment de M. Roger. Alors, il y a plusieurs. Effectivement, il y a trois questions. Il y a une première qui concerne l'insularité, alors qui est posée par M. Tony Mangou, qui dit d'accord, il partage l'analyse, mais il constatait que s'agissant de la Guadeloupe en plus de l'insularité, il fallait y ajouter la dimension archipélagique, qui par conséquent rendait un peu plus complexe la résolution des problèmes. Et il posait la question de savoir est-ce qu'aujourd'hui on envisage la possibilité de transformation par étapes.
Autrement dit, est-ce que les élus, les partis politiques mettent en place un certain nombre d'étapes pour pouvoir parvenir à leurs objectifs? Ça, c'est une première question qui a été posée. Il y a une deuxième question qui a été posée concernant la capacité aujourd'hui de l'administration corse à pouvoir, disons, générer de la richesse et effectivement à faire croître le taux de croissance. Et enfin, une troisième question qui pose la problématique du statut de résident en Corse et en demandant est-ce que cette question du statut est liée exclusivement à la problématique de préservation du foncier? Alors, je vais commencer par la dernière, du coup, cette histoire de statut de résident. Je dis bien cette histoire parce qu'au départ, lorsque c'est proposé, notamment par Jean-Guy Talamoigne, c'est quelque chose qui est plutôt clair. En gros, oui, ça répondait au problème du foncier. Donc, la proposition du président de l'Assemblée de Corse, c'était celle-ci, c'était que le statut de résident concernait les gens qui résident en Corse. Par exemple, il fallait, si je me rappelle bien, résider 5 ans ou plus de 5 ans en Corse pour obtenir ce statut. Ça n'avait rien à voir avec le rapport à l'identité corse ou à l'ethnie corse ou au droit du sol, au droit du sang en Corse, etc. Bref, ça ne touchait pas, par exemple, la diaspora, dont on parlait tout à l'heure. Ce statut de résident a été finalement contrarié à deux niveaux. Premièrement, sur le plan juridique, la plupart de mes collègues de droit constite, plus ou moins jacobins, rappelaient à qui, comme dirait ma grand-mère, à qui mieux, que ça créait des inégalités. Pourtant, le statut de résident, sauf erreur de ma part, existe sur l'île de Ré. Donc, ça créait des inégalités entre les différents citoyens nationaux, et donc ça faisait des Corses quelque chose de différent. Sauf que ce n'est pas le statut de résident corse, c'est le statut de résident en Corse. C'est-à-dire que, enfin, par exemple, si M. Fred Reynaud enseignait à l'Université de Corse depuis 5 ans, eh bien, il avait le statut de résident. Alors que moi, qui enseigne à l'Université de Bordeaux, bien que corse, je ne l'ai pas. C'était ça la proposition de départ. Et donc, ça avait du sens. Ça avait du sens parce que ça, oui, préservait le foncier. Ça empêchait donc de laisser ces ventes aux investisseurs étrangers et notamment au monde du tourisme de masse. Ce n'était pas un combat nationaliste, c'était un combat de préservation du territoire. Alors très vite, il a été politisé par les médias, par les juristes, mais il a été aussi, et c'est ça qui est assez extraordinaire, il a été aussi escamoté, il n'y a pas d'autre terme. Alors, M. Jean-Guy Talamoni serait peut-être plus modéré, mais moi je pense qu'il faut dire les choses. Donc, il a été escamoté par la diaspora. C'est-à-dire que bon nombre de Corses du continent ont exigé qu'ils voulaient eux aussi participer à ce statut de résident. Donc, en tant que Corse, puisque j'ai un nom qui finit en I, j'ai le droit, par ce lien, d'avoir le statut de résident. Et donc, ça devient un statut ethnique. Ça devient, on crée de l'ethnie là où il n'y en a pas. On crée donc là du coup de la différence. Alors qu'à la base, c'était que les résidents, c'est-à-dire les gens qui vivent sur le territoire. Alors pourquoi il a fait ça? Mais ne serait-ce que pour aider la jeunesse, parce qu'au niveau foncier, ben, la jeunesse ne peut pas se loger. On ne peut pas acheter, on ne peut pas louer. Voilà. En Corse, il y a énormément de tanguis, parce que finalement, ils sont bloqués. Donc voilà, je voulais parler de ça. Mettre ça au clair. Ce qui est dommage, hein, je pense, parce que c'était une idée, je pense, très intéressante, ce statut de résident. Alors, est-ce qu'ils sont capables de générer, je dirais, des richesses? Mais c'est-à-dire qu'en matière, par rapport à leurs compétences qui lui auraient données par le statut de la Corse, tout ce qu'ils ont à gérer, ils le gèrent. Alors, c'est vrai que le seul truc qui est mal géré, selon plusieurs détracteurs, c'est la gestion, en termes de services publics, des poubelles. Donc des déchets, mais sinon en termes de production, tout ce que peut faire la région, tout ce qui lui est autorisé dans ses compétences actuelles, elle le fait plutôt bien. Et il est vrai qu'elle serait par exemple peut-être encore plus intéressante s'il y avait plus de compétences en termes de principe de subsidiarité, vous voyez par exemple que la Sardaigne, etc. Par étape, non. Les seuls qui proposent une étape réellement, c'est Corinne Front et
accessoirement le PNC, c'est-à-dire dans des logiques un peu processus accord d'Évian ou processus Kanak. Mais sinon, là, dans l'imaginaire des nationalistes, ce n'est pas une étape, c'est une fin. C'est-à-dire que le statut qu'obtiendrait Gilles Séméon, c'est une fin. En gros, comme il dit, il a pris le train de l'histoire, et s'il obtient le statut, à mon avis, il va dire qu'il a atteint la gare. Vous voyez, ce n'est pas le statut de la Corse proposé par les élus aujourd'hui, c'est simplement l'administratif. Alors, ils le politisent, mais ils sont dans la logique administrative pour la plupart. Et surtout, ils ne sont pas dans une logique d'autodétermination. C'est pour ça que dans la conférence, j'ai dit, ce n'est pas quelque chose qui est pré-indépendantiste. Pour Gilles Séméon. Pour les autres, c'est qu'un début. Là, oui, on peut parler d'étape. Pour les indépendantistes, ce n'est qu'un début. Donc, ça veut dire que pour les indépendantistes, comme Jean-Guy Talamoni ou M. Benedetti, Paul-Philippe Benedetti, pour eux, ben, si ça aboutit pas, c'est pas grave. Parce que finalement, ils feront autre chose, ils proposeront une autre. Voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question sur l'étape, parce que j'avais plus toute la question en tête. Et alors, merci, Thierry. Nous allons peut-être, s'il n'y a pas d'autres questions, dans la conclusion qui sera faite par mon collègue Julien Mérillon. Alors, je vous propose que Julien va dire quelques mots de conclusion et on reviendra vers Thierry Dominici pour lui laisser le dernier mot. En tout cas, je le remercie déjà. Alors, il y a une question que je vois. Les corps sont-ils la main sur... Regarder sur Alors, est-ce que Monsieur Stache peut reprendre sa question? Oui, est-ce que les corps ont la main sur la main? vous m'entendez là? Oui. Oui, non, ma question c'est de savoir est-ce que les Corses ont la main sur la rédaction du projet de loi constitutionnelle visant à instituer une région autonome corse, conformément à la délibération de juillet 2023 adoptée par l'Assemblée de Corse. On a vu qu'en Martinique notamment, suite à l'adoption de la loi du 27 juillet 2011 qui crée les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, les Martiniquais, les élus notamment, n'ont pas eu la main sur la rédaction de cette loi, ce qui a montré par la suite beaucoup d'anomalies et de dysfonctionnements. Donc oui, pour le principe d'aller vers une autonomie à la Corse, mais les Corses ont-ils vraiment la main sur la rédaction de ce projet de loi qui sera présenté la semaine prochaine, si je ne me trompe pas? Merci, Monsieur Eustache. Mais, Donc, Thierry? techniquement, je dirais oui, parce que le président de la République a demandé véritablement une sorte de pré-rapport. Donc, alors, ceux qui ont vraiment la main, du coup, c'est qui? Mais simplement la majorité, c'est-à-dire celles et ceux qui sont à l'exécutif. Les autres, les indépendantistes dans l'opposition, pour la plupart, ne veulent pas participer, alors certains vous diraient, à cette mascarade, et donc préfèrent attendre. Donc, ils n'ont pas le soutien de toute la famille nationaliste, mais techniquement, les élus à l'exécutif sont censés, avec les députés nationalistes, proposer une sorte de canevas, on va dire, en termes de projet de loi. Merci Thierry. Donc, Julien Mérillon pour la conclusion. Ben, d'abord, mes premiers mots seront pour remercier hein, Thierry Dominici pour sa présentation, pour les informations importantes hein, qui ont été portées relativement à la situation en Corse. Alors, je crois que quand on essaie d'analyser un peu les propos qu'il a tenus et lorsqu'on compare notamment avec la situation en Guadeloupe, il y a un élément essentiel. Je crois que la Corse peut faire reposer sa démarche statutaire sur ce que je vais appeler un nationalisme structurel, qui est fondamentalement ancré dans la population. Et qui, par conséquent, permet d'avoir une expression politique qui se traduit aujourd'hui aussi bien au niveau de l'Assemblée qu'au niveau du Parlement, qui se traduit donc par un certain nombre de personnalités clairement affichées dans le camp du nationalisme. Alors, évidemment, il y a un certain nombre d'interrogations qu'il a formulées de façon très claire sur les marges, les limites. Et à la limite, on pourrait dire sur le modèle à emprunter, mais l'objectif
nous n'était pas tant d'avoir des éléments relatifs à un modèle, mais surtout de comprendre quelle était aujourd'hui la situation, quelles étaient les attentes, quelles étaient les démarches. Et de ce point de vue, je crois qu'on a été pleinement, disons, satisfait des réponses qui ont pu être apportées. Ce que j'ajouterais, c'est que les questions qui ont été posées ont permis d'entrer un peu plus profondément dans ces questions, ces problématiques, hein, et nous permettent aujourd'hui de voir dans l'expérience corse un certain nombre de choses qui seraient intéressantes à analyser, notamment dans le rapport à l'État, dans le rapport à ce qu'ils appellent le continent, qui mettent en évidence effectivement le poids du jacobinisme, le poids de l'État dans ces évolutions et la nécessité par conséquent d'une forte mobilisation. Donc, moi, je crois que c'est un élément, c'est une présentation qui a sa place parfaitement dans la recherche, qui est celle aujourd'hui d'une forme la plus adaptée possible aux besoins des réalités du territoire guadeloupéen. Merci Julien. Donc Thierry, tu as de nouveau la parole pour le dernier mot. Mais déjà, donc, je vous remercie pour cette invitation. Ça a été pour moi, sur le plan intellectuel, très intéressant. Ne serait-ce que de réfléchir pour un public qui plus éloigné de la question corse, tout en étant finalement très imbriqué dans la question corse. C'est ça qui est intéressant. Par rapport à la conclusion qui vient d'avoir été donnée, donc je vous remercie déjà de votre lecture, mais j'irai plus loin. Merci pour cette formulation. Oui, exactement. On peut parler d'un, et j'avais jamais pensé à ça comme ça, on peut parler d'un nationalisme structurel. Alors après, il faut savoir raison garder. Pourquoi? Parce que je crois surtout la Corse aujourd'hui bénéficie, au sens de Chantal Mouffe, d'un moment populiste en fait. C'est-à-dire que depuis 2014, vous remarquerez en Europe, il y a un moment populiste qui n'est pas de droite, qui n'est pas de gauche. Donc ce n'est pas Marine Le Pen ou Mélenchon, pour faire simple, pour caricaturer. Mais on a un moment populiste qui est plutôt nationaliste ou nationalitaire, comme dirait, aurait dit Jean-Claude Olivès. Claude Olivès, pardon. C'est-à-dire quelque chose qui a un rapport à cette appartenance, à l'infranational. On l'a trouvé, ce moment populiste, en Écosse. On la retrouve en 2014, en 2017 chez les Catalans, et dans l'entre-deux, en 2015, eh bien, ce moment populiste est arrivé en Corse. Et celui qui a bénéficié de ce moment populiste, c'est Gilles Séméoni. Alors pourquoi je dis ça? Parce que Gilles Séméoni, et c'est là où malheureusement le nationalisme culturel est escamoté par le politique, eh bien, Gilles Séméoni finalement a finalement utiliser ce moment populiste pour asseoir une sorte d'hégémonie politique, vous direz les nationalistes. Au point que le siméonisme produit, comme dirait Jean-Guy Talamoigne, une forme de néopopulisme, un néo-nationalisme basé sur ce populisme, qui veut dire qu'en gros, il y a des nouveaux nationalistes qui, il y a encore 3 ans, étaient libéraux ou socialistes, etc. Ce qui fait que ce moment populiste, aujourd'hui, ben, il s'effrite un petit peu. Et ce nationalisme structurel que vous avez décrit reste quand même les fondations. C'est pour ça que sur le plan populaire, sur le plan de la jeunesse, sur le plan des mouvements sociaux, il demeure. Donc le nationalisme corse demeure présent. Mais sur le plan politique, la victoire finalement, je pense que Claude Olivès aurait dit la même chose, la victoire finalement est un caillou dans la chaussure, parce que pendant des années, vous avez été dans l'opposition politique. Et là, depuis 5 ans, vous êtes la majorité politique. Et vous êtes face à vous, vous avez tous les problèmes sociaux, économiques et même écologiques que rencontre l'île. Et au lieu de pouvoir créer une mobilisation populaire, ben, vous vous retrouvez dans la case finalement des gouvernants. Et c'est ce que vit Gilles Séméoni aussi. C'est pour ça que c'est très comparable la situation de Gilles Séméoni en Corse et la situation de notre président Emmanuel Macron sur le plan national. Ils ont les mêmes stratégies. C'est-à-dire qu'ils produisent un populisme, pas libéral, mais un populisme, je dirais, bien porté, comme dirait Guillermé. Et ils incarnent donc finalement le changement. Mais le seul changement possible qu'ils proposent, c'est un système hégémonique, un parti dominant. Et tu le sais comme moi, Fred, comme le disait Sartori, Giovanni Sartori, lorsqu'on a un système politique basé
sur un parti dominant, mais automatiquement, même si c'est la démocratie, le système est non compétitif. Et on tend vers ça. C'est à nous. Alors, je veux préciser que l'intervention de Thierry Dominicis a sur la chaîne Kaji YouTube. Si vous voulez la voir, la revoir et la diffuser, n'hésitez pas à nous retrouver sur la chaîne Kaji YouTube. Alors, merci Thierry et à bientôt.